Allez, bonsoir amis téléspectateurs, ce soir sur YouTube et Dracar TV, en direct de la patinoire de Caen-la-Mer, où les Dracars de Caen reçoivent les Remparts de Tours. Alors, quelques petites interviews d'avant-match avec les deux coachs notamment. On va commencer avec Luc Chauvel. On va se présenter devant vous. Allez, bonsoir tout le monde. Hein. On va saluer tout le public qui nous regarde ce soir. Luc, ton équipe est prête pour ce soir. Deuxième match, premier match à la maison de ce nouveau championnat. Je suppose très content de voir un petit peu le bout du tunnel de tous ces entraînements. Ouais, c'est vrai que là, depuis la semaine dernière, on est dans une dynamique où on reprend la compétition. Donc c'est vraiment bien. On l'a bien reprise en plus la semaine dernière avec notre victoire à Neuilly. Écoute, le match de ce soir, on sait que Tours, c'est une des grosses équipes. En tout cas, c'est une équipe qui avait de grosses ambitions avant toute la partie Covid. Donc, on sait qu'on va avoir affaire à une grosse équipe ce soir. Et non, on n'a pas de pression. J'ai demandé aux joueurs de jouer voilà, à 100%, d'être toujours dans le patin. Il va falloir faire un match très, 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 très solide, vraiment dans le jeu, dans tout ce qui est perte de palais, tout ça. Il ne faudra pas laisser trop de jeu à l'adversaire, quoi. Ok. Et sinon, côté absence, présence, je crois pas me tromper en me disant que l'effectif est au complet, plus l'arrivée du nouveau joueur, Dominique Gabaye. Ouais, voilà, on est au complet. Dominique est arrivé la semaine dernière, il a joué directement contre Neuilly. Ça faisait un petit moment qu'il n'avait pas touché la glace, donc ça lui a fait du bien. Bah, écoute, il a tout de suite apporté une plus-value offensive. Ça fait vraiment du bien, ça a donné de la confiance aussi à l'équipe. Donc voilà, on est prêt ce soir, on a 4 blocs complets, donc il n'y a plus qu'à, comme on dit. Ok, merci Luc et à tout à l'heure, bon match. On va accueillir avec nous son homologue Julien Guimard, entraîneur des Remparts de Tours. Bonsoir Julien, bonsoir. Merci de venir nous rejoindre, merci d'être présent pour ce direct YouTube. Julien, un peu la même question que Luc, content de reprendre la compétition, un nouveau championnat, beaucoup d'entraînement sur une période où on ne savait pas ce qu'on allait faire. Et puis là, on voit un peu le bout du tunnel. Oui, c'est sûr. Après autant de temps, effectivement, sans perspective, on enchaîne enfin 2 semaines consécutives avec 2 matchs de compétition. C'est vrai que chaque moment comme ça, on les prend de manière très, très positive au vu du contexte. Et c'est vraiment pas évident, mais voilà, il faut saluer effectivement les joueurs, tout le monde qui a œuvré pour qu'on puisse être là ce soir, qu'on a déjà recommencé la semaine dernière. Donc c'est vrai qu'on ne boude pas notre plaisir. Ouais, et puis vous avez bien commencé, puisque une victoire chez vous 5-3 sur Cholet. Je suppose que l'objectif est de venir chercher 3 points ici ce soir à Caen-la-Mer. Oui, bon, on a effectivement bien entamé avec la réception de Cholet une bonne victoire. Maintenant, on sait qu'en venant ici, ça ne sera pas facile. C'est jamais facile. Caen est une très bonne équipe. Et on ne s'attend pas à une partie simple. Mais effectivement, on vient ici pour venir chercher les 3 points. Mais on sait qu'en face, l'adversité sera présente et il va falloir qu'on réponde présent ce soir. Ok, merci beaucoup Julien et bon match à toi et à toute ton équipe. Merci. Alors on le voit, les deux coachs qui savent la valeur de leur adversaire et donc on s'attend à une belle rencontre ici ce soir à la patinoire de Caen-la-Mer. Donc on se retrouve d'ici quelques instants, le temps de refaire la glace et on se retrouve d'ici un petit 15 minutes. Merci et à tout de suite. Thank you.
Luc Chauvel.
le public est venu nous soutenir nombreux ce soir derrière un poste de télévision. Reprise de la saison division 1, match à Caen. Le jeu des Rockers pour cette saison compliquée. Montée du corps arbitral sur la patinoire de Paris dans quelques instants, dans 4 minutes, début du match. Allez, chers téléspectateurs, nous voici à 3 minutes du début de ce match opposant les Drakkars de Caen aux Remparts de Tours. Alors, le corps arbitral est déjà sur la glace et nous attendons incessamment sous peu la venue des deux équipes. J'espère que vous êtes tous bien installés, confortablement, pour suivre ce match ici. En direct de la patinoire de Caen-la-Mer et les deux équipes qui rentrent sur la glace avec à leur tête devant Ronan Kemener, le portier des Drakkars, et en face son homologue Blazek va garder les cages de tour. Ça c'est pour l'alignement des gardiens. On entendait les coachs juste avant le match qui s'attendaient à une rencontre difficile, ils se connaissent bien, les Tourangeaux et les Canets. Deux équipes qui ont conclu leur première rencontre par une victoire. Donc ce deuxième match est déjà important. Vous savez bien que du coup il y a eu une refonte du championnat. Deux poules géographiques afin de réduire les coûts de déplacement pour les clubs. Une poule nord-ouest on va dire et une poule sud-est. Alors une poule assez relevée pour les Drakkars ou les Tourangeaux avec Neuilly-sur-Marne, Brest, Dunkerque, Cholet. Donc ça ne sera pas évident de se placer. Et si tout se passe bien et que nous ne subissons pas un nouveau confinement, nous pourrons peut-être avoir une finale de ce championnat de France D1. Alors titre honorifique cette année puisque la fédération a gelé les montées et les descentes, bien évidemment. Mais importante quand même, importante pour les équipes, importante. Alors côté des Drakkars, là je peux l'affirmer, c'est une volonté du club d'aller le plus loin dans ce championnat possible. Pour remercier notamment l'ensemble des bénévoles et surtout des partenaires qui suivent depuis le début de saison et qui soutiennent le Hockey Club de Caen. Dans quelques instants, vous verrez au centre de la glace le manager du Hockey Club de Caen, Brice Chauvel, accompagné du président Christophe Lannes, qui auront une petite remise à faire en ce début de match. Un joueur qui, la semaine dernière, par une mention d'assistance, a atteint les 300 points en Division 1, qui n'est autre que Jaroslav Prosvik, l'expérimenté joueur des Drakkars. Voilà, on entend le speaker qui va détailler le palmarès de Jaroslav Prosvik.
Hein, voilà, poignée de main entre Christophe Lann et Yaro. Et voilà, le maillot encadré avec le chiffre 300 à son prénom. Voilà, félicitations Yaro, parce que c'est quand même une sacrée performance. 300 points en division 1. Alors, on pouvait lire hein, dans les articles de presse cette semaine également. Hein, il a un autre petit objectif, hein, il lui reste 22 points pour atteindre les 500 points en carrière. Donc depuis qu'il a commencé chez lui, dans son pays, jusqu'à maintenant, il peut atteindre les 500 points, encore 22 points, c'est-à-dire soit but ou mention d'assistance. Donc on espère pour lui qu'il les atteindra avant la fin de saison. Ça, c'est plutôt un objectif personnel, mais on sait bien qu'Yaro n'est pas un joueur qui regarde sa fille, c'est vraiment un joueur d'équipe. Et on peut être fier de notre Drakkar, notre old school Drakkar, comme on dit. Allez, on va partir avec Lou Benoît au centre face à Peter Bourgo. Et les Drakkar qui remportent la première mise au jeu avec Kasper Serkovnik, dévié par Manuel Varez en fond de zone. Tout de suite le pressing Drakkar. Allez, il y a peut-être un premier lancé hors cadre de Serkovnik. Alvarez ferme bien la ligne bleue face à Phil Bouchbacher, là, hein, l'ancien Canet. Quelques anciens Canets hein, dans les remparts de Tours. On y reviendra un peu plus tard. Quand ils auront le palais, je vous en reparlerai. Allez, Alvarez en déviation avec Corar, hein, mais le dégagement va être refusé. On va revenir engagé dans la zone de Ronan Kemener, le portier Canet. Match qui commence tranquillement pour les deux équipes. Hein. Je pense qu'il va peut-être y avoir un petit temps d'observation. On se craint. Hein. On craint les Canets craignent les Tourangeaux et vice-versa. On connaît la valeur des deux équipes. Allez, ça travaille bien en fond de zone côté des Blancs avec Torres qui renvoie dans le fond de zone. Ça remonte en haut pour le capitaine Birolini, un premier lancé hein, qui aurait pu être dévié. Attention, Birolini qui va récupérer le palais, encore un lancé de Birolini. Le palais qui revient sur Kemener et qui stoppe bien le palais. Ouais, deux bons lancers d'Alexis Birolini, le capitaine Tourangeau et ancien joueur des Drakkar. C'est le deuxième après Phil Bouchbacher. Et première offensive à mettre au crédit des Tourangeaux. Allez, Fabien Mété, bah tiens, suffit qu'on parle des anciens Canets. Fabien Mété hein, qui a évolué également chez les Drakkar il y a quelques années maintenant. Allez, avec Janil qui cherche la passe pour Devin, qui joue bien avec Ménard, hein, qui s'emmène le palais pour lui-même. Devin, premier lancé, ouh, bien stoppé par Blazek dans les buts Tourangeaux. Ouais, bonne mise en échec là. Et Moni qui va récupérer le palais, qui essaye de jouer avec Ménard. Ménard qui se fait presser par Cronier. Cronier qui envoie le palais à la cage, contré, bien bloqué par Jonathan Janil, défenseur international. Et ça repart tout de suite avec Ménard. Ah, qui n'a pas réussi à trouver Devin. Ah, des bonnes opportunités de part et d'autre. Allez, on va amener des forces fraîches des deux côtés. On voit, eh ben voilà, le quatrième Canet, Alexis Makela à la relance, hein, qui évoluait chez les Drakkar la saison dernière. Et dégagement est refusé au blanc et bleu de Tours. On va revenir dans la zone de Blazek. Jiří Blazek, gardien tchèque de l'équipe de Tours. Allez, à la mise au jeu, Jaroslav Prozvik qui se fait avertir une première fois sur un mauvais positionnement. Guillaume Lutsch à la ligne bleue qui renvoie fond de zone pour Pierre Chauvel. Un peu court, Prozvik, Chauvel qui va peut-être revenir à la cage. Non, il remonte le palais pour Lutsch. Guillaume Lutsch qui renvoie dans la zone pour Prozvik. On garde bien le palais en zone côté des rouges et bleus. Ouais, un bon lancé de Guillaume Lutsch là, vicieux hein, sur Blazek. Mais il était vigilant, il avait bien fermé son angle parce que un tir presque anodin de Guillaume Lutsch, mais qui aurait pu tromper la vigilance de Blazek.
Allez, Tourangeau qui remporte cette mise au jeu. Et ça repart avec Birolini, Bouchbacher. Ah, une pénalité annoncée côté Tourangeau, je crois bien. L'arbitre en chef a le bras en l'air. Et voilà, ça arrête le jeu. Une première situation pour Phil Bouchbacher. Slashing sur le pressing sur Eric Corard. Hein, donner un petit coup de crosse et monsieur l'arbitre ne l'a pas laissé passer. Première situation de power play, de supériorité numérique. 5 Drakkar contre 4 Tourangeau. Allez, on va voir les unités spéciales des deux côtés. Avec Gabaye. Gabaye avec Orar. Orar qui envoie pour Prosvic à l'opposé. Ah, on ferme mal la zone et Birolini à la course. Qui réussit à s'en sortir avec l'aide de Prosvic. Gabaye, nouveau joueur des Drakkar numéro 10. Allez, on va aller chercher à s'installer. Et Tourangeau hein, qui ferme bien pour l'instant la pénalité. Il y a déjà quasiment 50 secondes d'écoulée et les Drakkar qui n'ont même pas eu une seule occasion. Les Tourangeau qui ont bien sorti le palais. Allez, les Drakkar qui reviennent en arrière avec Kasper Serkovnik qui cherche la passe pour Ménard. Oh, c'est un peu court pour Jonathan Janil là-bas. Allez, on se réorganise côté Canet. Il ne reste plus que 40 secondes. Hein. Allez, Tourangeau qui verrouille bien l'attaque canaise là. Il faut que les Canets soient patients. Qu'ils utilisent un joueur en vitesse. Ah, on est souvent à l'arrêt. Ah, c'est pas mal ça. Ça a failli passer pour Pierre-Antoine Devin. On renvoie à l'opposé pour Janil. Oh, attention, il va être pressé. Ça renvoie bien en fond de zone. Est-ce qu'on va réussir à poser le jeu? 15 secondes encore à faire à la pénalité. Devin qui cherche une solution de passe. Serkovnik, Janil, le tir instantané. C'est le but! Et voilà, il a fallu un seul lancer au Drakkar. Un seul lancer. Et l'ouverture du score ici à Canlamer par Jonathan Janil. Voilà, les Drakkar ont réussi à s'installer une seule fois dans cette... première situation de supériorité numérique. Le palais qui est remonté sur Serkovnik et on est allé chercher le gros lancer de Jonathan Janil à l'opposé. Shoot direct. Alors je crois bien qu'il a été dévié. On va attendre l'annonce de la table de marque. Mais il me semble que le palais a été dévié sur le lancer de Jonathan Janil. C'est ce qu'aurait trompé la vigilance de Blazek. On va écouter l'annonce officielle. Ah non, c'est bien Jonathan Janil qui est crédité de ce premier but. Alors si je dis pas de bêtises, je crois que le défenseur Canet, le numéro 3 international, ouvre son compteur cette saison chez les Drakkar. Premier but. Allez, on est reparti. Et on rappelle, hein, les Canets qui mènent 1-0 avec... on a essayé de lancer Tommy Perret, j'ai failli me tromper, avec son frère Jordan, excusez-moi. Tommy Perret, hein, licence bleue, le joueur avec la protection faciale intégrale, le grillage, licence bleue avec le club de Rouen. Il y a une licence bleue également, je crois, du côté des Tourangeau avec le club de Bordeaux qui évolue en Magnus. Il s'agit du numéro 4, Vince Tartari. Donc vous voyez les clubs de Magnus qui s'appuient sur les clubs de D1 pour former leurs jeunes joueurs. Allez, on est reparti avec Tour et Alexis Makela. Makela qui se fait contrer par Théophile Miclos, qui envoie en fond de zone quand même. Kemener qui intervient avec Rémi Colotti. Allez, on s'organise, on voit les
les situations travaillées à l'entraînement et Drakkar qui se font contrer là. Ouh là 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 là, ça aurait pu être dangereux. Hein. Sortie de zone trop lisible. Avec la jeune garde canaise, Théophile Miclot, Lucas Akala et Marius Gagigos, le quatrième bloc canet. Allez, Guillaume Lutsch qui va s'appuyer peut-être avec André Ménard. André Ménard, Colotti. Ah là là, on se fait contrer. Attention à Torres. Et Peter Bourgo, pressing, qui récupère bien le palais, numéro 10 de tour. Quand on voit à l'opposé. Bon sacrifice des joueurs à chaque fois. Attention au lancer de Peter Bourgo là. On entend plus facilement hein, sans public. Hein, vous pouvez entendre les joueurs hein, qui se parlent beaucoup, qui essayent de céder. Pardon. On essaye de beaucoup communiquer. Allez, Janil avec Devin. Devin, il rentre dans la zone, envoie l'opposé pour Gabaye. Gabaye qui a laissé échapper le palais, c'est dommage. Et on repart côté Tourangeau avec Bourgo. Bourgo qui va envoyer, je pense, non, il préfère conserver le palais. Je pensais qu'il allait envoyer en fond de zone pour permettre le changement. Bon travail de Peter Bourgo là avec Bouchbacher qui a tenté un lancer en angle. Alors on essaye d'amener les palais à la cage côté Tourangeau. On essaye de provoquer Ronan Kemener, hein, l'excellent gardien des Drakkar hein, que tout le monde connaît bien sûr en France, hein, gardien international. Et c'est vrai que pour tromper la vigilance de Ronan Kemener, il faut l'assaillir de shoot et essayer de travailler les rebonds. C'est souvent les tactiques employées par les clubs adverses. Allez, Serkovnik qui va essayer d'envoyer en fond de zone pour Pierre Chauvel là-bas à l'opposé. Ah! Et le corps arbitral qui juge que Kasper Serkovnik n'avait pas franchi entièrement la ligne rouge. Et ce qui a occasionné un dégagement interdit. On rappelle hein, la règle du dégagement interdit. Le palais ne peut pas franchir et la ligne médiane, la ligne rouge médiane et la ligne rouge du fond sans qu'aucun joueur n'ait touché le palais. Sinon, on revient engagé dans la zone défensive de l'équipe fautive. Allez, Pierre Chauvel qui essaye de sortir le palais. C'est récupéré par les Tourangeaux et Alexis Makela qui essaye d'envoyer le palais fond. Deux zones et le palais contré. Allez, ça va changer côté Tourangeau. Makela vers Lazzaroni. Lazzaroni qui envoie en fond de zone. Et au pressing, Mété. Et son compère finlandais, Koski. Excusez-moi, ami Tourangeau, si vous nous suivez sur YouTube ce soir. Je connais une partie de l'équipe Tourangelle, mais pas entièrement. Donc, s'il y a des erreurs de prononciation, je m'en excuse auprès du public Tourangeau. Allez, Tourangeau, justement, hein, qui s'organise bien. Une belle entrée de zone, là. On va mettre le palais. Ouais, c'était très bien joué hein, dans les bottes de Ronan Kemener. Lazzaroni hein, qui cherchait la déviation de Koski, justement. Allez, Tourangeau qui travaille bien, qui arrive à conserver le palais là. Et à nouveau, dégagement interdit là. On était un peu court sur les passes des Drakkar. Et du coup, on va revenir engager juste à la droite, à la gauche. On a changé au niveau du corps arbitral, à la gauche de Ronan Kemener. Allez, Kevin Tasserie à la mise au jeu côté Tourangeau et c'est gagné par les Drakkar. Tourangeau qui ferme bien la zone là. C'est bien joué de la part des Blancs. Allez, pressing sur Kasper Serkovnik. Est-ce qu'il va s'en sortir face à Torres et Tasserie? Tasserie conserve le palais. Encore, il travaille. Un manque de soutien là. Le 71 de tour. Allez, ça sera organisé avec le capitaine Tourangeau, Birolini, à l'opposé. Vespalainen, si je dis pas de bêtises. Le numéro 20
de Tours. Allez, Tourangeau qui conserve bien le palais. Et puis on entend une crosse qui tape, hein, c'est celle de Ronan Kemener qui annonce qu'il y a un joueur dans leur dos. Là on peut l'entendre clairement. Allez, Bouchbacher qu'on voit en fond de zone. Allez, oh là, attention la longue passe là, hein, qui a failli être interceptée par Peter Bourgo. C'était dangereux. On a voulu chercher Eric Horard qui était parti pleine vitesse, mais passe à travers la glace comme ça, c'est très très dangereux. Ouais, pour l'instant, les Tourangeaux, hein, qui conservent bien le palais, c'est eux qui sont le plus en possession de la rondelle. Allez, Gabay qui envoie la glace vers Devin. Devin qui revient dans le centre, il arrive à conserver le palais. Oh là là, il a failli tromper la vigilance de Blazek, hein. C'était une belle occasion là pour Pierre-Antoine Devin. On a vu sur le déplacement de Blazek, au lieu de shooter fort, il a voulu juste lui glisser entre les jambes. C'était bien joué de la part de Pierre-Antoine, le capitaine Canet. Allez, un lancer encore là de Théophile Mathieu Mouni, pardon, et non Théophile Miclot. Allez, on remet le palais à la cage avec Serkovnik. Lucas Akala au pressing. Et Lucas Akala qui a été retrouvé à l'opposé. Il tente un bon lancer là, un bon lancer du jeune Saint-Pierret sur la cage de Blazek. On en profitera, hein, puisqu'on parle des Saint-Pierret, pour saluer les parents de Lucas qui nous regardent forcément, et tous les Saint-Pierret qui sont devant leur écran de France ou du Caillou comme on dit. Saint-Pierre et Miquelon, hein, on le répète à chaque match, mais qui fournit quelques joueurs, hein, joueurs originaires de Saint-Pierre. Alors côté Canet, on ne va plus les présenter. Côté des Tourangeaux, il y en a un qui a des origines de Saint-Pierre et Miquelon. C'est Kevan Lévesque, son papa originaire de l'archipel française. Allez, on est reparti côté Drakkar avec Guillaume Lutch. Guillaume Lutch qui vient s'abriter derrière la cage. On essaye de trouver la sortie de zone avec Pierre Chauvel, Prosvik, Alexandre Ferré. On voit l'opposé pour Prosvik. Et la défensive Tourangelle qui s'en sort. On sert bien le palais. On va garder le palais. Voilà, on remet derrière. Allez, avec Makela en position qui gagne la zone neutre. Oh, un hors-jeu tout juste, mais qui est passé. Attention aux Finlandais derrière la cage là. Avec Alvarez qui travaille bien défensivement. Voilà, la ligne de passe est bien coupée par Eric Horard. Les joueurs des deux côtés, hein, qui sont tout de suite, hein, il y a une bonne activité de patinage. Dès qu'on perd le palais, tout de suite on harcèle l'adversaire pour essayer de le récupérer le plus rapidement possible. C'est pour ça que là on a vu les Tourangeaux récupérer très vite le palais. Hein, Drakkar qui avait bien défendu, puis tout de suite à la perte de palais, ils ont agressé leur adversaire pour essayer de récupérer celui-ci. Allez, Mathieu Mouni avec André Ménard, c'est un petit peu compliqué dans le centre là. Attention à la qualité des passes. Janil un peu court face aux Finlandais, une bonne mise en échec dans le coin. On va récupérer le palais. Ouais, bon soutien offensif là, de la part des Tourangeaux. Attention au lancer de Birolini. Ouais, on a bien dégagé la vue de Ronan Kemener qui a bien lu le lancer d'Alexis Birolini, le capitaine Tourangeau. Allez, Peter Bourgo au centre avec Bouchbacher et Garrido. On voit Bouchbacher se positionner juste derrière, peut-être pour un lancer. Attention, lancer de Bouchbacher là. Hein, on connaît ici à Caen les qualités de buteur de Bouchbacher. Ouais, défensif Canès qui s'en sort bien là. Hein. Allez, on est reparti avec Moni. C'est bon, Devin. Oh là, c'était pas mal joué là entre Ménard et Devin. Associé à Gabay. Hein.
Dominique Gabaye, numéro 10 Canet, nouveau joueur arrivé il y a un peu plus de 10 jours maintenant. Allez, bah tiens, Gabaye avec le palais peut-être, qui essaye un grand pont sur la défensive tourangelle, un peu juste. Allez, Peter Bourgault qui vient s'abriter derrière sa cage pour relancer, pleine vitesse. Vitesse de patinage de l'expérimenter maintenant, Peter Bourgault. Hop, Peter Bourgault qui s'est fait un peu faucher par la défensive canaise et l'arbitre en chef était bien placé. L'arbitre en chef qui était bien placé, qui a dit qu'il n'y avait rien, que c'est joué. Et on a vu tout de suite les canets qui, jeunes canets qui se sont projetés très vite sur la cage du gardien tchèque Blazek, Jiří Blazek, qui a bien stoppé ce palais et qui l'a bien gardé dans sa mitaine sous la menace canaise. Allez, Théophile Miclot côté de Drakkar, voilà, mise au jeu. Palais qui est remporté par les ciels et blancs. Attention à l'attaque sur le côté droit, le palais qui file devant la cage de Ronan Kemener avec Akala qui envoie le palais dans la bande. Et le palais qui est récupéré par Vince Sartari qui donne vers Alexis Makela. Défenseur retour en jeu qui s'en est bien sorti, le jeune défenseur Lazzaroni là. J'espère pas avoir écorché son nom. Allez, avec Fabien Mété. Fabien Mété, ouais, qui envoie le palais un petit peu à l'aveugle avec la présence. Voilà, on essaye d'avoir un maximum de présence devant la cage de Ronan Kemener. On essaye de voiler les jeux pour que tromper la vigilance de Ronan. Pour l'instant, il répond présent. Allez, Torres au pressing, bien protégé. Monique a bien protégé Ronan Kemener sur sa sortie. El Palais qui file. Ouais. El Palais qui avait été lancé par la défensive canaise à l'opposé pour essayer de changer. Mais le Palais a roulé jusque derrière la ligne rouge du gardien de but Blazek. Et du coup, un nouveau dégagement interdit contre les Drakkar à 4 minutes 24 de cette première période. Et on rappelle, si vous nous rejoignez, le score, toujours 1-0 pour les Drakkar sur une situation de supériorité numérique. But inscrit par le défenseur Jonathan Janil. Mais les Tourangeaux qui n'ont pas dit leur dernier mot, plutôt une bonne possession sur la deuxième partie de tiers-temps. Allez, Aurard qui a été contré avec Lou Benoît qui va retrouver Janil avec le pressing de Torres. Lou Benoît, on joue des petits jeux, attention de ne pas se faire contrer pour les Drakkar. Allez, Tasseri au pressing. Lou Benoît, la passe un peu courte pour Tommy Perret, numéro 27 des Drakkar. On le voit, les Drakkar qui concèdent pas mal de dégagements interdits en cette fin de première période. C'est dû au travail de l'équipe Tourangelle qui effectue un bon pressing, qui coupe les bonnes lignes de passe et les Drakkar qui ont du mal, défenseurs Drakkar qui ont du mal à trouver les attaquants pour les sorties de zone. On a du mal à faire une sortie de zone posée côté Drakkar. Allez, Bouchbacher qui trouve bien Peter Bourgault à l'opposé, qui a bien été contré par Mathieu Mouni. Allez, Tourangeau, un bon travail là avec Bouchbacher, Bourgault face à Mouni et Janil. Palais qui navigue derrière la cage Kemener peut-être. Non, on revient, on va chercher Garrido, on remonte jusqu'à Butin à la ligne bleue. Lancé hors cadre. Tommy Perret qui vient aider sa défensive. Attention. Attention les Tourangeaux qui conservent bien le palais là derrière la cage de Ronan Kemener. La fatigue qui s'installe pour les Drakkar. On arrive à sortir le palais juste qu'il faut pour qu'on puisse amener des forces fraîches. Attention, la Bouchbacher qui était restée à l'opposé.
face au capitaine Pierre-Antoine Devin. Les Canets qui ont pu amener des forces fraîches. Hein. 2 minutes 30 avant la fin de cette première période. Un bon lancer là de Camille Sarti. Si je ne me trompe pas, le numéro 91. Camille Sarti, David. Un bon lancer à la cage sur Ronan Kemener. Ah, lancer de Makela, on connaît la qualité de lancer de Makela. Hein. Faire attention là, hein. On laisse souvent des lancers de la ligne bleue côté Drakkar. Allez, avec Devin. Devin qui essaye d'envoyer le palais en fond de zone pour Serkovnik. Et ça repart à l'opposé. Et ça joue Vince Tartari au pressing sur Rémi Colotti. Il va peut-être récupérer le palais. Le jeune Bordelais. Allez, Ménard en repart à l'opposé avec Serkovnik, pardon. Devin. Ah, la passe qui est dure pour Serkovnik. Et on va revenir. Voilà, on entend Ronan Kemener, je ne sais pas si on l'entend bien à l'écran, mais qui parle à son défenseur, qui lui dit de prendre le temps. Allez, une dernière attaque peut-être pour les Drakkar avec Jaroslav Frozvic. Jaroslav Frozvic qui trouve Emmanuel Alvarez qui envoie au fond de zone. Pressing de Pierre Chauvel sur Blazek. Attention, la cage qui est vide. Oh là 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 là. Et voilà, les Tourangeaux qui se font prendre en cette fin de première période sur un pressing de Pierre Chauvel sur le gardien Blazek. Et le palais qui est revenu, je crois bien, dans la crosse de Jaroslav Prozvic, le serial pointeur Drakkar. Et 2-0. Ah, on disait que les Tourangeaux dominaient cette deuxième partie de première période et ils se sont fait prendre en contre sur un palais anodin en fond de zone. La sortie peut-être hasardeuse de Blazek. Et les Drakkar qui doublent la mise. 2-0 juste avant la pause. Ah, souvent quand on est coach, hein, on dit l'importance des 5 dernières minutes. Et là... je pense que le coach Julien Guimard va pas être trop content de cette situation. Autant le premier but sur le power play, ils avaient bien réussi à annuler. Et puis il a fallu d'un lancer Drakkar pour ouvrir le score. Et là, ils se font punir un petit peu bêtement les Tourangeaux. Parce qu'ils effectuaient dans l'ensemble une bonne première période. Allez, Palais qui va repartir. Côté Tourangeau, à l'opposé. Attention, côté Drakkar. Hein. Fermé les derniers instants, une pénalité appelée. Voilà, un slashing hein, évident du numéro 44, le défenseur canet Mathieu Mauny. Licence bleue également hein, du club de Rouen qui vient s'aguerrir en division 1 chez les Drakkar. Les deux licences bleues, un côté Drakkar, Tommy Perret. Et Mathieu Mauny, alors il y a là, souvent aussi Thomas Carminati qui est absent ce soir à cause de blessure, est blessé à l'adducteur. Thomas, le défenseur rouennais qui est blessé à l'adducteur et qui n'est pas présent ce soir sur la glace, qui est présent dans la patinoire mais qui n'est pas présent sur la glace. Allez, situation de power play, première situation avec Birolini, Bourgo. Ouais, un bon lancer, un one-timer. Birolini, capitaine qui contrôle. On va chercher des lignes de passe. Avec Pizarric, qu'on voit en bas, on essaye de remonter le palais. Palais bien contré par André Ménard. Allez, derniers instants, être présent. Attention à Torres qui coupe la ligne bleue. Pizarric qu'on voit en fond de zone. Kemener qui va s'en emparer et à mon avis sortir le palais. Non, qui joue bien avec Alvarez. Ouais, bien joué du défenseur Canet qui a ressorti le palais. Et Alvarez encore, hein, bonne présence d'Emmanuel Alvarez. Attention à Peter Bourgo, le lancer. Mettez qui a essayé de relancer sur la cage. Et le buzzer qui se fait retentir. Les Drakkar qui rentrent au vestiaire avec un avantage de 2 buts. Ah, une bonne domination de l'équipe Tourangelle. Mais les Drakkar repartent avec l'avantage du score. Master. Allez, on va se retrouver avec le défenseur canet Kasper Serkovnik.
Un petit mot avec avec Casper, hein, on va laisser. Il est soufflé, hein. Oh, Casper. Casper, il a fait des cours de français. Il me demande de parler en anglais. Je sais, pour le plaisir, pour les partenaires. Casper, quelques petits mots juste. Hein, on va te laisser rapidement. Bonne première période. Good first period. Très, très bon première période pour nous. Alors, c'est pas fini. Tours, c'est vraiment bon l'équipe qui attaque beaucoup. Donc, ouais, c'est pas fini. Merci Casper, l'analyse était parfaite de Casper, il n'osait pas trop parler en français et vraiment c'était parfait, c'est ce qu'on a dit au micro. Une équipe de Tourangelle qui vous a dominé, mais vous menez 2-0 quand même au score et ça c'est le principal. Maintenant il va falloir continuer à travailler fort. Oui c'est sûr, c'est continuer à travailler pour notre période, donc ouais. C'est pas fini encore. Ouais. Alors on va te laisser aller te reposer. Merci beaucoup Casper de ces quelques mots en français. Merci beaucoup. Et puis nous on va vous laisser vous reposer aussi. Et on se retrouve d'ici un petit 15 minutes ici à la patinoire de Camp-la-Mer où on rappelle que les Drakkars mènent sur le score de 2-0 avec Jonathan Janil et Jaroslav Rosvik pour les buteurs Canet. Merci et à tout de suite.
Allez, nous revoici en direct de Caen-la-Mer pour la deuxième période entre les Drakkars de Caen et les Remparts de Tours. Et on va entamer cette deuxième période avec un avantage numérique pour les Blancs qui évolue à 5 contre 4 après la pénalité en fin de période de Mathieu Mauny. Et Drakkars avait par l'intermédiaire d'Emmanuel Alvarez qui envoie les Tourangeaux chez eux. Attention à la vitesse du patinage du numéro 71 Tourangeau là pour emmener le palais en zone. On rejoue derrière avec Koski, le Finlandais, qui envoie le palais sur la cage et on oblige Ronan Kemener à arrêter le palais. On voit Kevin Tasseri qui se tient de côté, qui a pris un petit coup là, qui était venu sur Ronan Kemener à la défense cannaise, qui a répondu présent. Ah, attention, on a bougé côté Drakkars. Et le palais qui est gagné par les Tourangeaux. Avec défenseur, avec Koski sur le côté. Attention. Oh là là, c'était bien joué de la part de Bouchbacher qui essaie de venir au premier poteau, venir tromper la vigilance de Ronan Kemener. Alors on essaye encore une fois de venir au premier poteau. Petits espaces. Kemener qui ferme bien le bas de sa cage. Tasseri à la lutte avec Aurard et Aurard qui arrive à donner de l'air et à envoyer le palais jusqu'à Blazek, gardien Tourangeau. Allez, encore 8 secondes à la pénalité de Mathieu Mauny. Hop, hors-jeu annulé. Et le palais qui n'arrive pas à sortir là. Attention, ça traîne devant la cage avec 2-20, avec Ménard. Attention à la contre-attaque avec Mauny. Mauny peut-être qui va être servi. Non, c'est bien contré. Bon retour défensif des Blancs avec Makela et Gabay. Gabay derrière la cage, l'attaquant Canet qui remonte vers Janil. Janil qui cherche le petit lancer vers Devin, son capitaine. Mauny qui ferme encore. Ah, on envoie le palais pour personne dans le milieu de la glace. Et Fabien Mété qui laisse échapper le palais. Et Canet qui repartent de chez eux avec Mauny, Janil et Mauny avec Ferré qui a essayé de dévier le palais face à Lazzaroni. Allez, on envoie encore une fois le palais sur Kemener. Alors, je vous disais, une domination tourangelle sur la première période. J'ai été voir les stats et apparemment, au vu de la personne qui les prend, il y a eu autant de lancers cadrés pour les Drakkars que pour les Tourangeaux sur cette première période. Mais plus de travail, plus de palais amenés à la cage quand même côté Tourangeaux. Il va falloir qu'ils corrigent ça sur cette deuxième période s'ils veulent revenir au score. Je pense que Julien Guimard a dû faire les ajustements entre... pendant cette pause. Les Tourangeaux qui doivent être plus précis s'ils veulent tromper Ronan Kemener ce soir. Et Drakkars qui ont vraiment été opportunistes avec deux vraies chances de marquer et qui mènent au score 2-0. Ah là, c'est mieux joué de la part des Tourangeaux. Ah là là, ouais, le palais, voilà. Et ben voilà ce qu'on disait. Fallait être plus précis, amener les palais devant Ronan Kemener. Et les Tourangeaux qui ont trouvé la solution et qui trompent la vigilance du portier Canet. Alors on va attendre l'annonce des joueurs parce que là avec le petit cafouillage, j'ai pas bien vu qui avait marqué. Et les joueurs de Julien Guimard qui reviennent en ce début de deuxième période. À peine 3 minutes de jeu et réduisent le score 2-1. On va écouter l'annonce de la table de marque pour connaître les buteurs. Ah, le joueur tchèque qui est venu au rebond, Alex Pizarik. Voilà, et mention d'assistance à Garrido et Bouchbacher sur ce but. Un travail d'équipe pour revenir au score.
Les Tourangeaux qui se relancent là. Hein. On a vu une bonne mise en échec de Jonathan Jani derrière la cage et le Tourangeau hein, qui a du mal retomber sur le dos. Vous voyez le fair play du défenseur Canet qui demandait si le joueur ça allait. Et peut-être c'est peut-être couper le souffle sur le jeu. Et on va revenir engagé à la droite de Ronan Kemener hein, sur un nouveau dégagement interdit des rouges et bleus. Allez, Kevin Tassery, je crois bien, hein, qui est à la mise au jeu et le palais gagné par les Blancs. Ouf, ouais, la mauvaise mise en échec hein, sur Pierre Chauvel. On a vu le coup de montée du numéro 27 Blanc qui va aller en pénalité. Le Canadien Adam Beveridge qui a monté un peu le coude au visage de Pierre Chauvel qui s'est retrouvé les quatre fers en l'air. Ça va donner occasion aux Drakkars de se retrouver à 5 contre 4. Rappelle que les Drakkars pour l'instant sont à 100%, une situation de power play. Ils avaient ouvert le score par Jonathan Janil et on remet le même alignement que tout à l'heure avec Lou Benoît. Janil, Ménard, Serkovnik et Pierre-Antoine Devin. Ah, le palais qui remonte pour Serkovnik et qui est contré. Et les Tourangeaux qui vont s'en sortir et peut-être même contre-attaquer ici avec leur attaquant finlandais qui préfère envoyer en fond de zone et redonner le palais à la défensive canaise. Allez, on va essayer de se relancer en vitesse avec Jonathan Jani qui envoie le palais en fond de zone et qui vont aller au pressing et, sur Birolini. Le palais qui sort pas. Palais qui est bien stoppé par Lou Benoît avec Pierre-Antoine Devin. Allez, voilà, côté Canet, on essaye de s'installer. Le palais qui va circuler, Devin. Ah, la petite passe coupée, dommage. Et on va changer côté des rouges et bleus. Un peu compliqué peut-être le jeu de Pierre-Antoine Devin. Il va falloir que côté Canet, sur les power play, hein, on avait eu beaucoup de mal avant d'ouvrir le score dans cette première période. Il va falloir que les Canets soient un petit peu plus précis sur leur passe s'ils veulent se donner des vraies chances de marquer. Ah ouais, et passe qui n'arrive pas dans les palettes, c'est compliqué. On va réussir quand même peut-être à s'installer avec Prosvik Gabaye en haut. Prosvik qui conserve bien le palais, il se retourne sur lui-même, on remonte vers Gabaye. Gabaye qui déjoue la défensive. Oh, bon lancer de Gabaye, oh là, qui a failli tromper la vigilance de Blazek. Attention au rare. Hein. Attention à Tassery qui est parti face à Eric Aurard. Ah, Eric Aurard qui est bien revenu, une bonne mise en échec pour revenir sur Tassery là. Et on repart avec Jaroslav Prosvik qui porte le palais en zone. Il va peut-être y aller tout seul, non? Il préfère se retourner, attendre le soutien avec Colotti. Colotti, Aurard. Oh, petit palais pour... c'était pas mal joué pour Jaroslav Prosvik. Gabaye, Gabaye, un gros lancé en haut encore. Ouais, des bons lancers de Dominique Gabaye, l'attaquant canet là. Et Blazek qui répond présent par deux fois au niveau de son épaule. Ouais, bien joué là avec Lucas Kala. Un bon lancer de Marius Gajigos, jeune joueur canet. Hop, et le palais qui rebondit juste sur le bord de la bande et qui sort de l'air de jeu. On va procéder peut-être à quelques changements, non? On va conserver les lignes. Et on va engager milieu de glace sur ce palais sorti. Avec Théophile Miklos pour côté Canet. Et le palais qui est gagné par le Finlandais Koski, joueur de tour. Ah, Lucas Kala, dommage qu'il avait bien contré la défensive Tourangelle. Et on envoie le palais sur Ronan Kemener. Attention à ces petits palais hein, hasardeux. C'est comme ça que Tours a réussi à tromper la vigilance du gardien canet. Et voilà, on recommence. Voilà, voilà le travail des Tourangeaux encore. Consigne, à mon avis, de Julien Guillemard. On descend proche de Ronan Kemener. Et on met des petits palais, on cherche des petits rebonds.
on cherche à faire bouger le gardien de camp. Attention à Garrido qui est bien placé là sur la mise au jeu. Et le palais qui est bien contré par la défensive canaise avec Moni qui envoie à l'opposé pour Janil qui essaye de pousser pour Devin peut-être. Oui, ça passe. Et on voit le long de la bande pour Gabaye. Dominique Gabaye conserve le palais, fait le tour de la cage. Ah, la passe qui n'est pas arrivée. Gabaye qui se faufile juste entre la balustrade des butins. Et le palais toujours dracard. Ça travaille fort dans les bandes. Moni pour Gabaye. Oh oui, qui a failli revenir au deuxième poteau. Garrido qui essaye de contourner Janil. Et Canet qui s'en sort bien par l'intermédiaire de Devin. Le capitaine Canet qui emmène le palais en fond de zone. Et retour de Garrido, Clément Garrido qui est revenu sur le capitaine Canet. Qui lui a fait perdre l'appui. Et on est reparti côté Tourangeau avec Peter Bourgault, Bouchbacher, qui dévile pas les fonds de zone pour lui-même. Bien contré avec Guillaume Lutsch, le jeune Canet. Ah, Pierre-Antoine Devin, la passe un peu courte pour Rémi Colotti. Allez, Colotti face à Tartari, derrière la cage de Ronan Kemener. Tartari qui ramène bien le palais, attention au lancer. Ouah, c'était bien joué de la part de Tartari, hein, qui est sur le pressing, qui avait réussi à ramener le palais dans le slot des Drakkars. Et Pizarric qui s'en emparait, un bon lancer balayé de Pizarric. Mais Ronan Kemener a répondu présent une nouvelle fois. Allez, mise au jeu gagnée par les Drakkars. Ah, Pizarric qui coupe bien la ligne de passe. Attention à l'opposé à Tartari. Et voilà. Pizarric crédité d'un deuxième point dans cette rencontre qui a coupé la ligne de passe à la ligne bleue et qui a bien servi le jeune Vince Tartari, la licence bleue bordelaise, venu en renfort à Tours et qui ouvre son compteur avec l'équipe de Tours et qui permet à cette même équipe de revenir dans le match. Deux buts partout. Et c'est 2-0 dans la période, hein, dans la deuxième période. Les Tourangeaux qui mènent 2-0. Le score 2-2. 11 minutes 57. On est quasiment à la mi-match. Et les Tourangeaux qui ont fait leur retard. Un beau lancer là, hein, mi-hauteur de Vince Tartari. Allez, Alexandre Ferré qui essaye de trouver Pierre Chauvel au pressing. Jaroslav Prozvic sur Torres. Et Pierre Chauvel remonte sur Alvarez, un lancer d'Alvarez dévié. Serkovnik peut-être un peu court. Attention, il faut revenir côté Canet. C'est un 3 contre 2 avec Torres. Attention, lancer de Torres. Palais qui est bien gardé. Et protection d'Alexandre Ferré et d'Emmanuel Alvarez sur cet arrêt de Ronan Kemener. Allez, Tourangeau hein, qui sont. Galvanisé hein, par leur retour dans ce match, deux buts partout. Et Canet un petit peu surpris là. Et Luc Chauvel le disait hein, en avant-match, hein, une bonne équipe tourangelle. Et elle le prouve là, hein, elle a été surprise par deux fois par les Drakkars, mais. Force de travail dans cette deuxième période, elle est revenue dans la rencontre. Et il faut tout refaire côté Drakkar. Allez, Tourangeau qui conserve bien le palais avec Koski Mété. Et voilà, palais pour Devin. Quel arrêt de Blazek face au capitaine des Drakkars, Pierre-Antoine Devin, hein, qui s'était vu récupérer un palais sur un bon pressing. De Gabaye, Dominique Gabaye qui avait servi son capitaine et Blazek qui est sorti très loin de sa cage pour venir boucher l'angle face au capitaine Canet. Très bel arrêt du gardien Tourangeau. Allez, à l'opposé avec Birolini là côté Tourangeau. Kemener qui est sorti de ses bases pour essayer de relancer vers Guillaume Lutsch.
Et Marius Gajigos, Guillaume Lutsch qui prend de la vitesse, conserve le palais, cherche une passe, va envoyer en fond de zone pour lui-même. Et il récupère le palais. Guillaume Lutsch, peut-être la petite passe pour Marius Gajigos. C'était dommage, hein, Marius Gajigos qui était tout seul au deuxième poteau. Il s'est créé l'occasion tout seul, le jeune défenseur canet. Et il est encore ici au travail, en fond de zone. Alvarez, un bon lancer d'Alvarez, c'est bien joué ça. Hein. Lancé sur Blazek. Un bon chiffre de la jeune garde canaise là, qui s'est créé des chances. Et là, on va attendre les changements avec Serkovnik derrière la cage qui patiente. On attend les renforts avec Eric Aurard. Hein. Lou Benoît dans le centre. Il revient sur lui-même Kasper Serkovnik, le défenseur canet. Et Tourangeau hein, qui sont précis dans leur passe. Attention au numéro 91 Tourangeau là. David Camisarti. Et Vince Sartari encore avec le palais. Et Makela à l'opposé qui vient presser la défensive canaise. Et Canet qui ont du mal là, à sortir de la zone. Alvarez un peu trop court. Palais qui est sorti de la zone quand même. Ça a donné un peu d'air au Canet. Alors, on cherche les joueurs, les attaquants sont trop loin. Allez, on redescend bas avec les attaquants Jaroslav Prosvic, Pierre Chauvel et Alexandre Ferré. Alexandre Ferré, plein axe trouvé par Jaroslav Prosvic. Oh là 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 là, c'était bien joué. La belle passe encore de l'expérimenté Jaroslav Prosvic, plein axe pour Alexandre Ferré qui s'est présenté seul. Place à Blazek et Blazek qui s'interpose encore une nouvelle fois, qui tient son équipe dans la rencontre. Hein. Deux arrêts importants du portier Tourangeau. Blazek, première fois face à Pierre-Antoine Devin et il y a quelques instants face à Alexandre Ferré. Ah, attention, il y a une pénalité d'annoncer. Alors je crois qu'elle est pour les Drakkars. Voilà, hop, on voit là, Jonathan Jani qui touche le palais. Et je crois bien que c'est le jeune Pierre Chauvel qui va être sanctionné au vu des signes de l'arbitre pour un slashing. Ah, péché de jeunesse chez le jeune Chauvel qui va donner l'occasion au Tourangeau d'évoluer à 5 contre 4. Allez, il va falloir être costaud côté des Drakkars. Parce que les Tourangeaux ont la bonne maîtrise dans cette deuxième période. Et il faudrait rester au contact. Alors, il n'en est rien, c'est 2-2. Mais il faudrait pas trop donner la confiance à l'équipe Tourangelle côté des Drakkars. Un bon lancer là, encore une fois. Par le numéro 27. Je vérifie, ouais, c'est bien ça, le Canadien Adam Beveridge. Beveridge, pardon, excusez-moi. Défenseur qui a mis un bon lancer à la cage. Et Tourangeau qui vont peut-être s'emparer du palais face à Rémi Colotti, Serkovnik, on pousse dans la bande. Et ça ferme bien le palais. Et Tourangeau, voilà, qu'on réussit à garder le gain du palais en zone canaise. Allez, avec Bouchbacher en bas, qui protège bien son palais et remonte à l'opposé. Allez, ça y est, on est installé côté Tourangeau. On va faire circuler Beveridge. Attention au Canadien là, hein, qui a déjà mis un bon lancer hein, à l'opposé. À lancer haut, le rebond qui était trouvé là. Et Tasri, il manquait un peu de longueur pour tromper la vigilance de Kemener. Mais bonne chance pour les Tourangeaux. Et Serkovnik qui donne de l'air à sa défensive. Et on va changer tout le monde côté Drakkar. Et presque tout le monde côté Tourangeau. Le Canadien qui cherche une passe, qui va très certainement changer dès qu'il aura donné son palais. Voilà, on le voit glisser le palais et puis il va aller au banc pour la deuxième unité offensive de powerplay Tourangelle. Allez, palais bien coupé. Hein. Alvarez, joueur important de l'effectif Drakkar côté Luc Chauvel. Il arrive bien à sortir les palais.
Allez, Peter Burgos qui essaye d'envoyer pour Torres à l'opposé. Torres contrôle le palais, on prend le time. Côté, on remonte vers Pizarric. Attention, lancé. Mété qui fait le tour de la cage, qui retrouve Peter Burgos. Burgos qui cherche la ligne de passe. Birolini. Wow, on a cherché la petite déviation de Mété. Ah, des joueurs expérimentés, hein, côté Tourangeau. Mété, Burgos a évalué dans la Ligue Magnus à Briançon, notamment pour les deux joueurs. Allez, Birolini à l'opposé, le capitaine Tourangeau à la lutte et Aurard qui arrive à sortir le palais. Et la pénalité des Drakkars qui s'est terminée, on l'entend. Il reste 5 minutes 30 à peu près dans cette deuxième période et les Drakkars qui ont bien tué la pénalité de Pierre Chauvel. Et on se retrouve à 5 contre 5 avec Lazzaroni. Lazzaroni qui envoie vers Vince Tartari. Hein, auteur du deuxième but Tourangeau. Et dégagement qui a été refusé au blanc. Et on va venir réengager à la droite de Blazek. Avec côté Drakkar, Jaroslav Prosvik pour la mise au jeu. Face à David Kamisarti et le palais qui est gagné. Par les Tourangeaux. Allez, on va relancer vers le numéro 17, Kevan Lévesque. Ben, on en parlait juste avant la rencontre, Kevan Lévesque, qui s'est fait subtiliser le palais hein, par la défensive cannaise. Lazzaroni qui renvoie le palais en fond de zone pour directement sur Janil. Attention à la longue passe. Ah! Et Jonathan Janil hein, qui a essayé une passe forte hein, pour ne pas se faire contrer. Pour, Et c'est un hors-jeu qui a été signalé. Donc on voit les joueurs qui changent quand même. Hein, parce qu'on rappelle que sur les dégagements interdits, l'équipe fautive du dégagement interdit n'a pas le droit de changer sa ligne sur la glace. Donc on peut se retrouver avec des joueurs un peu fatigués. Donc c'est important d'éviter les dégagements interdits dans les rencontres. Allez, palais encore gagné hein, par les Tourangeaux hein, qui gagnent pas mal les mises au jeu dans cette deuxième période. Avec Peter Burgos qui travaille bien derrière la cage face à Devin. L'aide, l'attaque cannaise hein, pour supplier la défensive cannaise avec Gabay et Devin. Ah. Monsieur l'arbitre en chef qui a levé la main et le numéro 13 Tourangeau qui se trouve sanctionné, Clément Garrido, pour une charge incorrecte. Si je ne me trompe pas, on va écouter l'annonce de la table de marque, mais il me semble que c'est la faute incriminée au joueur Tourangeau. Et les Drakkars à 4 minutes 30 du terme de cette deuxième période qui se retrouvent à 5 contre 4. Allez, avec Devin. Allez, des bonnes passes côté Canet avec Serkovnik. Devin qui n'est pas dans le bon côté pour prendre un lancer. Avec Lou Benoît. Ménard, Devin. Ah oh oui, c'était bien joué ça, la combinaison entre André Ménard et Pierre-Antoine Devin. Dommage que le lancer était hors cadre. Allez, avec André Ménard en fond de zone qui va travailler avec peut-être l'aide de Lou Benoît. Ménard avec Janil qui se retrouve tout seul devant la cage. Ouh là 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 là. Il n'a pas pu se retourner, Jonathan Janil, et a pu glisser finalement le palais à Pierre-Antoine Devin. Allez, on va jouer petit espace à nouveau avec Ménard. Janil encore qui prend un lancer. Le palais qui remonte vers Pierre-Antoine Devin. Avec un nez un petit peu plus dangereux sur ce power play. C'est un peu mieux côté des rouges et bleus. Allez, avec Lou Benoît qui est un petit peu court. On essaye de fermer la zone côté Drakkars. Les Tourangeaux qui vont se sortir. Ah non, c'est l'arbitre qui a contré le palais, qui a pris le palais dans le genou. Ouh là là, un bon lancer dans la jambe. Je ne sais pas si on le verra à l'écran, mais l'arbitre qui boite un petit peu, qui a pris un lancer juste dans la cuisse. Ça fait pas du bien. Et le palais en foyer, on repart avec Eric Aurard et Prosvik un peu court. Le palais qui ressort, Rémi Colodi qui ne peut pas fermer la zone.
Allez, Rémi Colotti qui essaye d'organiser son attaque avec Prosvik. On revient sur Rémi Colotti. Eric Aurard. Eric Aurard, Rémi Colotti. On a du mal à trouver les joueurs à pleine vitesse. Prosvik, Aurard de l'autre côté avec peut-être Pierre Chauvel qui vient donner un coup de main. Le palais qui revient vers Rémi Colotti. Reste 10 secondes à la pénalité. Et Prosvik qui a heurté Blazek, le gardien tourangeau. Allez, Kemener peut-être à la relance. Oh là là! Attention à Garrido! Là 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 là! Et ben voilà! Kemener qui a fait une belle passe à Garrido, qui a failli venir sanctionner le gardien Canet en sortie de pénalité. Clément Garrido. Il s'en est fallu de peu. Allez, il reste 2 minutes dans la période. Et c'est reparti. Depuis la défensive tourangelle avec Peter Bourgault qui rentre en zone. Et on va chercher à mettre le palais devant la cage. Et oh là, le palais, c'était bien joué encore avec Clément Garrido. Et la cage qui a été déplacée, je crois bien, non? Il y a un arrêt de jeu. Ouais, c'est ça, la cage qui a été déplacée de Ronan Kemener. Oh là là, faut faire attention côté de Dracar là. Rappelle le score, hein, c'est 2-2. Il reste à peine 2 minutes dans cette... deuxième période. Les Dracars hein, qui avaient pris les devants dans la rencontre 2-0 et les Tourangeaux avec un bon travail collectif qui sont revenus dans cette partie. 2-2. Allez, derniers instants de cette première de cette deuxième période, pardon, avec Gabage. Oui, c'est ça, Gabaye, c'est bien ça, qui était en fond de zone avec André Ménard qui remonte le palais pour Mathieu Mauny. Mathieu Mauny qui arrive à conserver le palais. On voit vers Dominique Gabaye. On va chercher peut-être la petite passe pour Pierre-Antoine Devin. Jonathan Janil qui rate le mans, la cage encore. Mathieu Mauny, on cherche les petits jeux. Et ça travaille encore fond de zone pour Dominique Gabaye qui retrouve André Ménard, un bon lancé. Et le palais qui est bien stoppé une nouvelle fois par... Blazek, Yeri Blazek qui fait une très bonne partie hein, parce que si les Tourangeaux sont plus dangereux que les Dracars ont des vraies opportunités quand même de marquer et sans la présence de Blazek dans les buts, les Dracars pourraient avoir une à deux longueurs d'avance maintenant. De très bons gardiens hein, ce soir sur la glace de Camp-la-Mer entre Blazek et Kemener. Allez, Makela hein, qui essaye de se retourner, remonter le palais. Attention avec le Finlandais Tourangeau qui envoie le palais fond de zone et Kemener qui couvre le palais. Joueur Canet qui reste au sol. Malheurté la bande peut-être. Eric Orange, si je ne m'abuse, ouais, il s'est relevé. Tout va bien pour le joueur Canet. Allez, Canet qui s'empare de cette mise au jeu importante dans leur zone défensive. Mais les Tourangeaux pressing ont récupéré avec Torres qui remonte le palais vers Makela. Attention, lancé de Makela. Le palais qui vole et... Ouh là 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 là. Kevin Tasseri, hein, plein axe, il s'est retrouvé tout seul avait en possession du palais. Et un bel arrêt de la mitaine de Ronan Kemener. Et on change côté de Luc Chauvel. Hein, 45 secondes. Du terme de cette période avec le capitaine Pierre-Antoine Devin qui gagne la mise au jeu avec Emmanuel Alvarez qui sort le palais de la zone. On se donne de l'air côté Canet. On fait le dos rond un petit peu hein, côté Canet hein, cette deuxième période. Allez, un travail à la bande avec André Ménard. Ouais, palais qui circule avec Alvarez à l'opposé. Devin, peut-être une dernière chance pour les rouges et bleus. Oh, c'était bien joué. Ouh là là. Ouais, c'est bien joué de la part de... Belle passe de Pierre-Antoine Devin à destination d'André Ménard. Et encore une fois, un bel arrêt du gardien Tourangeau, Blazek. Ouais, la cage qui a été déplacée sur le jeu. On va attendre que le portier... Voilà, l'aide du corps arbitral pour replacer la cage de Yeri Blazek.
Ah, premier avertissement pour Bourgo et le palais gagné par Devin. À l'opposé pour Serkovnik, on va envoyer fond de zone. Derrière la cage de Blazek qui hésite à sortir. Garrido à la bande. Hop là, ça travaille fort dans les bandes. Et la cloche qui retentit à la fin de cette deuxième période. Et les Tourangeaux hein, qui sont revenus à la marque. Deux partout. Tout est à refaire côté des Drakkar hein, qui, je rappelle, il menait 2-0 à la fin de la première période. Et c'est 2-2 les Tourangeaux qui ont fait le travail. On va se retrouver dans quelques instants. Alors, si je me trompe, avec l'assistant capitaine Rémi Colotti. Pour cette petite interview, un petit débriefing avec Rémi Colotti, on va se retrouver dans quelques secondes. Voilà. Rémi qui est arrivé sur l'espace interview avant moi. Merci Rémi de venir quelques instants, quelques mots pour les téléspectateurs. Une deuxième période compliquée pour les Drakkar. Vous meniez 2-0 à l'entame de la période, c'est 2-2 maintenant. Une bonne équipe de Tours quand même. Oui, une bonne équipe de Tours, ils pressent fort, ils patinent fort, à nous de mettre le palais derrière leur défensive et ils ont su, ils ont été opportunistes sur nos erreurs à nous, donc c'est ça qui fait chier, on leur donne un peu de but. Après, il reste la troisième là pour revenir très fort et justement aller presser leur défensive, mettre les palais derrière et avoir beaucoup de trafic devant la cage et surtout que les pucks arrivent au net. On a senti un peu de difficulté côté des Drakkar sur cette deuxième période. On a senti plus les Drakkar faire le dos rond et marcher. Par contre, des belles opportunités quand même pour les Drakkar. Et puis un très bon Blazek en face quand même qui a fait les arrêts importants à des moments clés. Oui, il a su faire les arrêts. Après, on sait que c'est à nous de continuer là-dedans. On a des opportunités, on le sait. Il faut les mettre au fond. Il faut saisir notre chance à fond. Et puis on verra bien ce que ça va donner en tous les cas. Merci Rémi et on se retrouve dans un petit quart d'heure. Bon repos. Allez, on se retrouve, comme je le disais, dans un petit 15 minutes après le surfaçage. Et je rappelle le score ici à Caen-la-Mer, c'est 2-2 entre les Remparts de Tours et les Drakkar de Caen. A tout de suite.
nous revoici pour cette troisième période à Caen-la-Mer, entre les remparts de Tours et les Drakkars de Caen. Un petit rappel du score, 2-2. Hein, les Drakkars qui avaient d'abord ouvert la marque et même mené de 2-0 avant de voir les Tourangeaux revenir à 2-2. Et nous sommes repartis avec Peter Bourgault qui presse tout de suite Kasper Sarkovnik avec Garrido dans le coin qui échappe le palais Drakkar qui repart à l'opposé avec Eric Horard. Eric Horard face à Blazek. Oh là là, bien joué de la part d'Eric Horard. Le rebond laissé. Bel arrêt encore de Blazek, hein, important en deuxième période et qui monte, qu'il est toujours là sur cette troisième période. Allez, belle opportunité là pour Eric Horard, hein, qui avait fait un joli mouvement. Allez, défenseur Tourangeau Pizarric qui attend les changements et on va effectuer la relance vers Torres qui envoie en fond de zone et au pressing sur Jonathan Janil avec Tasri et Torres et l'aide d'André Ménard pour essayer de sortir le palais. Et le palais qui remonte à Birolini, shoot bloqué par Janil et ça repart pour Devin. Devin qui glisse le palais à Gabay. Gabay pour Devin. Allez, on va essayer d'accéder devant la cage de Yeri Blazek. Allez, ça travaille fort dans les bandes. Palais qui remonte pour Janil qui trouve à l'opposé Moni. Moni, le lancer bloqué par la défensive tourangelle. Janil qui manque le cadre. Moni qui remet en fond de zone. Grosse mise en échec hein, du joueur finlandais. Vepsalainen. Allez, Tasri hein, qui envoie le palais à l'opposé justement pour Vepsalainen. Et on se réorganise avec Moni et Janil. Et on procède au changement. On voit le signe de Moni hein, qui appelle les changements et les joueurs. On ne trouve pas de solution. Pressing de Mété. Est-ce qu'il va s'en sortir? Ouh là 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 là. Oup, hop, 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 hop. C'était pas fait exprès là. Peut-être de la part de Fabien Mété. Ouais, Mathieu Moni hein, qui a tourné le dos et Mété qui l'a propulsé le long de la bande. Alors on va voir ce que dit monsieur l'arbitre, mais c'est un jeu dangereux normalement. Est-ce que ça va être sanctionné de 5 minutes? Il va prendre une pénalité majeure, hein, je pense bien Fabien Mété. Et on envoie également Cronier et Alexandre Ferret sur le banc des pénalités pour une dureté probablement. Alors on va attendre un peu de savoir à combien, contre combien on évolue. On va attendre les annonces de la table de marque à 2 minutes du début de cette troisième période. Les joueurs qui sont déjà en place, mais l'arbitre en chef qui discute encore avec la table de marque. On va évoluer à 5 contre 4 avec 3 joueurs Tourangeau sur le banc des pénalités et un côté Canet. Donc une pénalité majeure très certainement pour Fabien Mété de 2 minutes. Donc un 10-2 probablement. Attention à Koski là, à Koski. Oh là 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 là. Et ouais, les Canets qui se font surprendre alors qu'ils étaient en supériorité numérique. Le palais qui est parti sur le côté gauche de l'attaque Tourangelle. Et Koski qui vient mystifier un tir en haut à ras des roues flaquettes de Ronan Kemener. Ça passe sous la barre. Et les Tourangeaux qui se retrouvent avec un but d'avance. Allez, Canet cueilli à froid là, alors qu'ils étaient en supériorité numérique, qui se retrouvent avec une longueur de retard. Allez, quasiment 2 minutes, 1 minute 45 très exactement pour essayer de revenir à égalité là. Allez, Torres qui presse bien encore les Canets là et qui gêne la relance du powerplay Canet.
et Janil qui vient aider Devin pour sortir de la zone avec André Ménard. André Ménard qui porte le palais en zone avec Serkovnik. Serkovnik qui conserve bien le palais, va derrière la cage, va retrouver Janil. On va peut-être retrouver Devin en haut, non, Serkovnik. Serkovnik, pas trop de solution avec Janil, les deux défenseurs qui se transmettent le palais avec Lou Benoît. Janil, un lancer de Janil, ouh, ça frôle le poteau. Et Janil qui ferme la zone, ah, un peu court, et le palais qui ressort. On redonne à Serkovnik, 45 secondes à faire dans la pénalité. Lou Benoît, un bon lancer de Lou Benoît, bien stoppé par Blazek. Allez, Tourangeau qui s'en sort bien avec Tasri. C'est un 2 contre 1, 2 contre 1. Attention, Tasri, le rebond. Et là, 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 les Tourangeaux qui viennent punir l'équipe des Drakkars. Avec le numéro 20 finlandais de l'équipe tourangelle qui prend le rebond laissé par Kermener. C'était bien joué hein, de la part de Tasri hein, qui a visé un shoot deuxième botte pour envoyer le palais vers son compère d'attaque. C'est quasiment comme une assistance, c'est un très beau jeu de Tasri là-dessus. Allez, Canet va falloir se reprendre deux longueurs de retard. Alors qu'on est encore en supériorité numérique pour les Drakkars. Deux buts en infériorité numérique côté Tourangeau. Ah, ça va être dur hein, parce que les Tourangeaux ont montré un très beau visage en deuxième période. Il va falloir trouver des ressources pour les hommes de Luc Chauvel pour revenir dans cette partie. Allez, avec Serkovnik qu'on voit derrière la cage de Blazek qui intervient. Et on ressort le palais par l'intermédiaire de Makela. Hop, attention le changement. Allez, tout le monde, on est revenu à 5 contre 5. Seul Fabien Mété est resté encore pour 10 minutes en pénalité. Alors que Julien Guimard réorganise ses blocs d'attaque pour pallier à l'absence de l'attaquant français. Allez, Serkovnik qui ferme bien la zone. On renvoie en fond de zone Ferré qui part au pressing. Un peu court et le dégagement interdit qui est annulé. Bouchbacher au pressing sur Kemener, s'en sort bien avec Alvarez et Prosvik. Ferré. Ferré qui va lancer sur Blazek qui capte bien le palais et qui préfère le garder, concéder une mise au jeu dans sa zone défensive. Allez, il va falloir montrer un autre visage côté de Drakkar là si on veut pouvoir revenir dans cette partie. Allez, André Ménard à la mise au jeu avec en soutien Gabaye. Gabaye qui remonte le palais, peut-être non, il préfère le garder. Bon lancer de Gabaye sur Devin qui le contre. Pierre-Antoine Devin qui trouve les bottes de Blazek. Et ouais, ouais on a vu hein, Pierre-Antoine Devin qui a eu du mal à prendre son lancer, son rebond. Et qui a été accroché par le défenseur et capitaine Tourangeau Alexis Birolini. Qui va aller s'asseoir sur le banc des punitions pendant 2 minutes. Allez, faut que les Drakkars vraiment saisissent leur chance là. 5 contre 4 côté Drakkar. Par se méfier aussi des Tourangeaux, on a vu hein, qu'ils pouvaient être performants en infériorité numérique. Ils ont mis 2 buts, hein, coup sur coup quasiment sur la pénalité précédente. Allez, on essaye de se réorganiser avec Serkovnik. Serkovnik pour le capitaine Pierre-Antoine Devin. André Ménard qui est obligé de s'arrêter sur la ligne bleue. Devin qui emmène le palais fond de zone avec Lou Benoît. Ah, on redonne le palais à la défensive tourangelle, mais Serkovnik ferme bien la zone. Revient dans l'axe. Bon lancer de Serkovnik qui a failli dévier le palais qui est libre. Ah, c'était bien joué de la part des Drakkars. Kemener qui va relancer à l'opposé là-bas pour Lou Benoît. Lou Benoît qui est obligé de revenir vers Kasper Serkovnik. Gabaye, Gabaye plein axe, rentre en zone, protège bien son palais, va chercher une solution. Ah, il manque d'aide Gabaye hein, là-dessus. Il est tout seul face à deux Tourangeaux et les Tourangeaux qui se donnent de l'air.
Allez, Canet, 55 secondes dans la pénalité. Colotti avec Prosvic, un bon lancer de Prosvic. Et bien capté, hein. Shoot plein axe pour Prosvic et bien capté par Blazek. Il va falloir mettre un petit peu plus de patinage, un peu plus d'envie côté Dracard pour revenir dans la partie. Allez, un gros lancer. Oh là là, c'est le poteau, la base du poteau hein, qui a été trouvé par Dominique Gabay là sur cette mise au jeu gagnée par les Dracard. Blazek qui était battu très certainement. Allez, avec Prosvic. Prosvic qui retrouve Gabay. Prosvic, Colotti, petit lancer contré. Attention, contre. Ah, pénalité pour Rémi Colotti hein, sur l'attaquant finlandais Vespalainen. Et on retrouve Makela. On a vu, il n'y a plus personne dans la cage tourangelle. C'est normal puisque l'arbitre au brassard rouge, l'arbitre en chef, annonce une pénalité. Et voilà, dès que les Canets toucheront le palais, le sifflet va retentir. Donc c'est pour cette raison qu'on peut se permettre de sortir le gardien tourangeau et de jouer avec un joueur de plus. Hein. C'est souvent ce qui est fait, puisque dès que l'équipe adverse touche le palais, elle n'a pas la possibilité de shooter dans la cage désertée par le gardien. Allez, encore, on va évoluer à 4-4 pendant 5 secondes, et puis chance sera donnée au tour en jeu d'évoluer à 5 contre 4 quasiment pendant 2 minutes. Voilà, ça y est, le joueur tourangeau Alexis Biruni, le capitaine qui est sorti de la cage, qui se trouve servi tout de suite. Attention, le palais qui remonte pour Torres, un bon lancer bien capté par Kemener. Pizarric, pardon, qui avait pris le lancer. Numéro 8, numéro 9, excusez-moi. Les numéros de là où je suis se ressemblent. Allez, Peter Bourgault face à Pierre-Antoine Devin. Bourgault qui a bougé un peu avant, on le voit averti par l'arbitre. Et le palais qui est gagné par Pierre-Antoine Devin, mais Torres qui est le premier sur celui-ci. Et le palais qui ressort de la zone. Pressing là-bas de André Ménard, c'est pas mal joué parce qu'on attendait Cronier. Ménard qui garde le palais. Si les Dracards pouvaient être inspirés comme les Tourangeaux tout à l'heure pour revenir dans cette partie et de marquer en infériorité numérique. Ah ouais, voilà, il me semblait bien hors jeu à appeler par l'arbitre. Et comme les Tourangeaux continuent leur attaque, on va revenir en zone défensive hein, sur un hors jeu volontaire annoncé pour l'équipe Tourangelle. Allez, sur une mise au jeu là, peut-être avec Lou Benoît, un gros lancer de peut-être Janil ou Moni à la bleue là. Les gros shooters. Allez, le palais qui est gagné. Voilà, Janil qui est servi et contré par Vespalainen encore. Hein. Allez, sacrifice de Vespalainen hein, sur le lancer de Janil là. Ça doit piquer un peu dans les mollets. Et le palais hein, bien sorti par le défenseur Mathieu Moni. Jusque. Au gardien Yeri Blazek. Allez, Tasserie hein, qui essaye. Ah, et il s'est pas bien compris là, hein, qui cherchait Koski. L'attaque, on est obligé de revenir derrière la cage. Tourangelle et Koski. Attention, le buteur finlandais de tour avec Bouchbacher. Koski qui envoie derrière la cage, mais direct sur Jonathan Jani qui va pouvoir donner de l'air à la défensive. Ah, arrêt du jeu. Ouais, Tasri hein, qui a essayé de contrer le shoot de Jonathan Janil et qui l'a touché. Et l'arbitre signale un jeu cross-out. Donc nous allons engager dans la zone défensive Tourangelle. À gauche de Yeri Blazek. Avec Jaroslav Prosvic côté Dracard. Est-ce qu'il va gagner la mise au jeu? Le palais qui surf et ah là là là, Blazek, une obstruction appelée pour qui? Pour Gabay. Ah, l'attaquant canet Dominique Gabay sanctionné d'une obstruction et il reste 19 secondes à la pénalité de Rémi Colotti. Donc nous sommes 3ème période, 11 minutes 31. Il reste 19 secondes à la pénalité de Rémi Colotti. Et Rémi, Dominique Gabay vient le rejoindre sur les bancs. Donc nous allons évoluer à 5 contre 3
Attention, c'est dangereux là pour les Drakkars. Et Emmanuel Alvarez qui ressort le palais, hein, précieux sur les jeux d'infériorité numérique, le défenseur canet, le barbu de Saint-Pierre et Miquelon qui ressort le palais et qui est présent, qui fait des sacrifices. Voilà, et une bonne intervention encore de sa part qui permet de provoquer un hors-jeu. Le numéro 98 canet qui annule les attaques tourangelles. 4 secondes à la pénalité de Rémi Colotti, Pierre-Antoine Devin à la mise au jeu, Kasper Serkovnik à l'opposé. Et on ferme le centre de la glace sur la mise en jeu. On voit les trois joueurs canets, Kasper Serkovnik, un quart parlé à Emmanuel Alvarez. Et voilà, hop, pour essayer de contrer l'attaque tourangelle. Et voilà, on ne donne pas la ligne bleue. C'est bien joué de la part du défenseur canet, Emmanuel Alvarez, qui reprovoque encore un nouveau hors-jeu pour l'équipe tourangelle. Et Rémi Colletti qui est sorti de pénalité. On évolue à 54 encore pendant 1 minute 38. 11 minutes 09 à faire à la rencontre. Et on rappelle que les Tourangeaux mènent 4-2 après deux buts coup sur coup en infériorité numérique de la part des Tourangeaux qui ont mystifié un peu les canets là. Attention au petit jeu. Ouh là 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 là, on a cherché de la part de Torres le premier poteau, la lucarne et le palais qui est monté trop haut et qui a fini sa course dans les filets de protection. Et on va réengager, hein, puisqu'il a envoyé le palais directement dans les filets de protection, on va réengager à l'extérieur de la zone défensive canaise. Julien Guimard, hein, qui avait demandé quelques explications au corps arbitral. Et on va faire la mise au jeu avec Alvarez qui va peut-être s'emparer du palais. Bon, il arrive à le conserver. Il essaye de lancer le palais dans l'arrondi. Ça va être court, mais c'est récupéré par Koski là-bas, justement à l'opposé. L'attaquant finlandais de Tours. Ça joue à la ligne bleue avec le défenseur canadien. Attention au gros shoot du défenseur canadien là de Tours. Voilà, on va essayer de remonter vers lui. On envoie de l'autre côté. Hein, ouais. Vespa Elainen, hein, qui est très en forme là. Aujourd'hui, allez, on essaye de trouver Eric Aurard, voilà, qui arrive à bien conserver le palais, qui transmet à Pierre-Antoine Devin. Oh là 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 là, Pierre-Antoine Devin, et voilà, qui provoque une pénalité. Est-ce qu'on va appeler un pénalty? Non. Un fer trébuché pour Yeri Blazek, peut-être, le gardien des remparts de Tours, qui se trouve sanctionné, si je ne me trompe pas. Sur l'incursion de Pierre-Antoine Devin, on était à la limite du pénalty, hein, parce que Pierre-Antoine Devin était quasiment seul face au portier tourangeau. Alors il avait quasi deux défenseurs, hein, à sa hauteur, hein. C'est peut-être pour ça que l'arbitre de la rencontre n'a pas donné de pénalty. Et c'est Phil Bouchbacher, hein, puisqu'on ne peut pas envoyer le gardien sur le banc des punitions. C'est Phil Bouchbacher qui va aller s'asseoir sur le banc des pénalités pendant 2 minutes. Allez, beaucoup de pénalités dans cette troisième période. Il faudrait que les Drakkars arrivent à en profiter. Hein. Il reste une dizaine de minutes. On est à la milieu de cette troisième période. Il faut tout donner côté Drakkars si on veut revenir dans la rencontre. Hey, Makela, hein, qui prend bien de la vitesse avec Garrido. Garrido qui essaye d'envoyer le palais sur Kemener. Attention avec Eric Aurard là. Ah, qui met le palais le long de la bande. On rend le palais à Lazzaroni, le défenseur tourangeau, qui vient s'abriter derrière sa cage. Lazzaroni qui attend. On évolue à 4 contre 4 pour le moment. Encore 18 secondes à faire la pénalité canaise. Peter Bourgo qui se fait contrer, qui arrive quand même à avancer. Eric Aurard qui lance le long de la bande pour Lou Benoît. Attention à Peter Bourgo qui a bien travaillé, conserve bien le palais. Toute l'expérience du joueur tourangeau là, Peter Bourgo qui a ramené le palais vers sa défensive pour garder possession du palais avec Pizarric. Pizarric qui envoie le palais sur la cage et qui renvoie les canets chez eux, hein, puisque la pénalité canaise est finie et qu'il y a 1 minute à peu près d'avantage numérique pour les canets. Colotti, hein, qui cherche
du monde, personne. Là, c'est bien muselé par les Tourangeaux. On envoie en fond de zone Birolini qui va être le premier et qui va donner de l'air. Voilà, c'est bien joué de la part de la défensive tourangelle. Qui a bien fermé la ligne bleue, obligé les Drakkar à envoyer le palais fond de zone. Et Birolini qui était le premier sur ce palais, qui a renvoyé les Drakkar jusque chez eux. Allez, Pierre Chauvel qui envoie en fond de zone pour essayer de travailler. Pizarre et on repart de l'autre côté. Aïe, 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 aïe. Il faut réussir à porter le palais en zone côté des Drakkar. Et l'équipe de Tours hein, qui défend très bien à 4 également. Il faut souligner ça. Hein, si une équipe n'arrive pas à performer aussi, c'est pas forcément l'attaque. Ça peut être aussi le travail défensif. Et là, Tours effectue un bon travail. Allez, Pierre-Antoine Devin à la balustrade qui conserve le palais. Il est seul face à deux Tourangeaux. Ça, c'est pas normal. Par contre, côté Canet, on doit tout de suite aider. On est un joueur de plus. Eric Aurard, Colotti. Oh là 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 là, c'était bien joué. Hein, la passe d'Eric Aurard. Et la pénalité qui se termine de Bouchbacher. Et on évolue à 5 contre 5. Kemener qui sort de ses bases pour arrêter le palais pour son assistant capitaine Rémi Colotti. Voilà, on va procéder à des changements. Ménard qui monte sur la classe, Gabay. Colotti vers Ménard. Ménard qui cherche la passe pour Jani. Là, c'était court et compliqué. Et les Tourangeaux qui se contentent de renvoyer les Canets chez eux. C'est plus à eux de faire le jeu. Ils sont à l'extérieur. Ils mènent 4-2. Il reste 7 minutes 30 dans cette partie. Ils ont l'avantage du score. Voilà, on va jouer simplement côté Tourangeau. Si on peut, on y va. Sinon, on sort les palais facilement. On va laisser les Drakkar travailler, se fatiguer. Voilà, Maquia, le défenseur, quand même, qui vient presser sur Gabay. Allez, Janil peut-être à la relance, on va chercher la passe, ouais, pas mal vers Alexandre Ferré. Alexandre Ferré qui remet pour Janil. Oh là 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 là, il manque le cadre. C'était une super passe du jeune Alexandre Ferré vers son défenseur Jonathan Janil. Qui manque le cadre. Allez, Pizarric qui a mis une belle opposition là sur Pierre Chauvel. Janil petit lancé pour chercher la déviation. Attention à. Camille Sarti là. Ouais, voilà. Il y avait un peu de monde sur la glace, j'allais dire. Il y a un peu du monde côté des Blancs. Et un surnom annoncé côté Tourangeau. Et c'est Vince Tartari, le deuxième buteur de la rencontre côté Tourangeau, qui va s'asseoir sur le banc des punitions pour l'équipe Tourangelle. Hein. C'est pas lui qui est forcément fautif, c'est son équipe. Qui était en situation de surnombre, donc 6 joueurs, 7 si on compte le gardien, étaient présents sur la glace. C'est interdit. Donc l'équipe est sanctionnée de 2 minutes. Allez, nouvelle chance pour les Drakkar d'évoluer en supériorité numérique, de faire circuler le palais. Il faudrait se rappeler en ce début de match, voilà un bon lancer de Gianni, la cage est vide. Oh là 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 là, quel retour de Blazek, la cage est vide pour le capitaine Pierre-Antoine Devin. Et Blazek qui a fait un retour phénoménal pour venir stopper le lancer du capitaine Canet. Oh là là, un nouveau surnombre annoncé par le juge de ligne. Ah, il y avait encore un peu trop de monde côté Tourangeau. Aïe, 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 c'est bête pour l'équipe de Tours, hein, parce qu'on va vraiment donner de la chance au Drakkar, hein, qui était très dangereux hein, sur les occasions. Je parlais de la cage quasiment vide de Pierre-Antoine Devin, hein, qui avait pris son temps pour ajuster son shoot. Ça a permis au gardien Yeri Blazek de revenir à une vitesse folle, stopper le tir du capitaine Canet. Et puis dans la foulée, on a vu un petit palais dévié. Alors je crois bien, c'était avec Lou Benoît ou André Ménard. Ça allait tellement vite. Et Blazek a encore répondu présent. Allez, il faut qu'on communique côté Drakkar. C'est vraiment la chance là de revenir dans cette rencontre. Il reste 6 minutes 12, très exactement 6 minutes 12 dans la rencontre. 4-2 pour les Remparts de Tours ici à Caen-la-Mer. Et chance est donnée au Drakkar pendant 1 minute 29 d'évoluer à 5 contre 3. Allez, avec Pierre-Antoine Demain, Dominique Gabay, André Ménard, Kasper Serkovnik et Jonathan Janil pour essayer de trouver la faille et de tromper la vigilance de Blazek hein, qui fait une excellente partie là. Allez, on va prendre son temps côté Drakkar. On évolue à 5 contre 3.
Voilà, on va travailler les jeux. Petit palais. Ah là 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 là, c'était bien joué là. Et Blazek hein, qui fait encore un arrêt de la crosse à l'opposé sur un shoot de Jonathan Janil. Janil avec 2-20, c'est dommage. Le palais qui est libre pour Gabay. Gabay avec Serkovnik. On remonte vers Serkovnik. Dominique Gabay, oup, c'était juste. Gabay, il va peut-être ajuster. Serkovnik. Ah, on joue petit espace côté Drakkar. Il va falloir prendre sa chance. Allez, Jonathan Janil peut-être. Oh là 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 là, le doublé de Jonathan Janil. Un gros lancer. Il a été très bien servi par Pierre-Antoine Devin. Et Jonathan Janil qui fait parler toute son expérience. Le défenseur international canet qui vient mystifier Blazek. Il l'a complètement déshabillé. Blazek a dû s'imposer sur ce énième lancer. Hein. On ne lui en voudra pas au gardien Tourangeau. Hein, parce que depuis un moment, il tient son équipe dans la partie. Et il permet même à son équipe de mener encore d'une longueur. Hein, on rappelle qu'en deuxième période, il avait arrêté une occasion très chaude de Pierre-Antoine Devin et une situation d'échappée de break pour Alexandre Ferré. Donc on lui en voudra pas à Blazek. Là, 5 contre 3, c'était compliqué. Mais ce qu'on disait, hein, les Drakkar, encore une chance peut-être avec Prosvik et le rebond. Oh là là là, j'ai cru qu'il était dedans. Ça a touché les filets. C'était bien joué là, c'était... je crois Eric Aurard hein, qui a touché le filet du côté. Hein, et bonne chance a été donnée au Canet avec Prosvik et Aurard. Allez, on repart avec Rémi Colotti. Rémi Colotti vers Gabay, hein, le joueur, l'attaquant Canet. Ah voilà, hors-jeu, ouais, on est rentré, on a trop flirté avec la ligne bleue. Dominique Gabay qui a trop flirté avec la ligne bleue et qui a mis ses coéquipiers en situation de hors-jeu. Allez, 4 minutes 55, 43 secondes à faire à la pénalité Tourangelle. Et 4-3. Allez, supporters Drakkar, partenaires, je sais que vous êtes tous derrière vos écrans, un peu d'encouragement pour vos couleurs. Alors, normal, hein, je supporte les Drakkar, nous sommes à Caen. Je sais que vous êtes de nombreux Tourangeaux également derrière vos écrans à soutenir votre équipe. Et on vous en remercie de votre présence. Allez, Janil à la ligne bleue avec Pierre-Antoine Devin. Lou Benoît, on va chercher peut-être un petit espace, un petit jeu. On va essayer de remonter le palais. Devin, là, c'est bien coupé les lignes de passe par les Tourangeaux. Attention à Serkovnik qui s'est fait oublier à l'opposé. Janil va peut-être mettre le petit palais à la cage. Voilà, le petit palais au Blazek qui répond présent. Hein. Un petit jeu essayé devant la cage de Blazek, là. Ça chauffe côté de la défensive Tourangelle. Les Drakkar qui poussent. 3 secondes, attention hein, dans le dos là. Je pense que Ronan Kemener va taper de la crosse pour prévenir sa défensive. 3 secondes à faire à la pénalité Tourangelle. 4 minutes 15. Ouh là 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 là, le palais qui avait été gagné par Lou Benoît et Janil qui a failli prendre un lancer. Allez, palais qui est dévié, attention à Makela, il va peut-être retrouver à l'opposé. Non, c'est bon, Makela qui garde le palais, rentre en zone face à Devin, Makela toujours, voilà. Pénalité annoncée par l'arbitre. Un peu étrange parce que ça s'est joué à l'épaule entre Makela et Janil là. Et Janil qui va s'asseoir 2 minutes sur le banc des pénalités. C'est malvenu à 4 minutes du terme de cette rencontre de donner la chance aux Tourangeaux de revenir, d'évoluer pardon, à 5 contre 4. Allez, il va falloir se serrer les coudes côté des Drakkar et puis tout donner dans les 2 dernières minutes pour essayer d'arracher la prolongation peut-être. À moins qu'on imite l'équipe Tourangelle et que on puisse marquer en infériorité numérique côté Drakkar. Allez, les Tourangeaux qui s'organisent avec Tasri. Tasri monte le palais, prend son temps, va lancer le palais dans l'arrondi. Le palais qui fait l'arrondi, ça arrive dans la crosse de Bouchbacher, je crois bien. Tasri qui conserve encore le palais, on va jouer à la ligne bleue.
Allez, on va peut-être aller chercher le shoot du numéro 27 canadien à l'opposé là, Beveridge. Ouais, bon lancé dévié, on a cherché la crosse de Tasserie là. Hein. On a mis les escouades finlandaises. Pas mal. Oh là 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 là, la longue passe qui était trouvée là par Koski pour le Canadien. Et il s'en est fallu de peu hein, parce que Kemener était battu, je crois bien là-dessus. Et les Tourangeaux hein, qui maîtrisent leur sujet à 54. Hein, alors que des joueurs étrangers, si je ne m'abuse, sur la glace côté Tourangeau. Allez, voilà, Tasserie. Ah non, Tasserie, joueur français, hein, vous m'excuserez. Ah, une pénalité annoncée encore pour les Drakkar, hein, 38 secondes. Aïe, 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 ça va être très, très dur ça. Ça va être très compliqué. Gabaye qui va s'asseoir 2 minutes en pénalité. 2 minutes 34 dans le match. 35 secondes encore à faire à la pénalité de Jonathan Janil. Et Dominique Gabaye qui va s'asseoir quasiment jusqu'à la fin du match. Ça va être très dur pour les Drakkar de revenir parce que même quand Jonathan Janil ressortira, ils se retrouveront en infériorité numérique. Et s'ils sortent le gardien, ils seront en égalité numérique pour essayer de revenir et arracher la prolongation. Et les Tourangeaux hein, qui vont faire circuler très certainement le palais, qui vont tuer le chronomètre. Voilà, qui vont vraiment prendre leur temps avec Bourgault. Voilà, on fait tourner tranquillement Birolini, Bourgault, on essaye de se rapprocher. Oh là là, attention à Fabien Mété qui était laissé tout seul devant la cage. Mathieu Monnier, Serkovnik, les défenseurs avec Pierre-Antoine Devin, oh, Kemener qui s'interpose. Bien joué de la part de Ronan Kemener. 2 minutes à faire encore. Mété qui fait circuler le palais, Birolini, Pizarric, Pizarric. Bourgault navigue derrière la cage. Pizarric, le palais qui est libre, est stoppé. Oh voilà, pénalité. Alors encore un bras qui se lève. Qui est-ce qui est appelé en pénalité? Ah, monsieur l'arbitre là, il annonce une pénalité pour le capitaine des Drakkar. Et qui n'était pas content. Qui va aller s'asseoir pour 10 minutes de plus sur le banc des pénalités. Un peu litigieux là. Les Canets qui vont finir le match à 5 contre 3. Oh là là, ça va être compliqué. Ça va être très très compliqué pour les Canets. Partie quasiment gagnée hein, pour les Tourangeaux s'ils ne font pas de bêtises. Puisqu'ils vont évoluer à 5 contre 3 quasiment jusqu'à la fin du match. Avec les pénalités de Devin et Gabaye. Et même si les Canets sortent leur gardien, les Tourangeaux seront en avantage numérique. À 5 contre 4, donc je vois pas comment les Drakkar vont réussir à récupérer des points ici ce soir à Camp-la-Mer. Si coach Guimard joue bien, donne les bonnes consignes, je pense que la partie est remportée pour les Tourangeaux. Alors, plus Mathieu Monnier hein, qui allait s'asseoir sur le banc des punitions. Donc on a perdu pas mal de joueurs. Voilà les Tourangeaux en plus qui gagnent la mise au jeu, qui vont contrôler la fin de match très certainement avec Bouchbacher ici face à Janil. Voilà, bien poussé dans les bandes, mais 5 contre 3 ça va être compliqué. Avec Koski, Koski qui cherche le Canadien, Vespaelainen, Vespaelainen, Edwige, un gros lancé, attention à Bouchbacher, hein, très agile derrière la cage là, Koski, Tasserie dans la boîte, et vraiment il donné le temps, là, ils ont vraiment le temps les Tourangeaux, attention à Vespaelainen, Kemener qui ferme bien le poteau, et le palais qui est bloqué au-dessus de la cage de Ronan Kemener. Et on va procéder à une mise en jeu en dehors de la zone au niveau du chrono. Et il nous reste 1 minute 16 dans cette partie. Et 42 secondes à la première punition canaise et encore une 23 à la deuxième. Donc vous voyez que ça va être très très compliqué. Allez, peut-être avec un espoir, un exploit individuel d'un Jaroslav Prozvik, voilà, qui va se porter très loin à l'avant. On va lancer le palais loin devant. On espère... un petit miracle ici à Camp-la-Mer pour voir les Drakkar revenir, mais on sait qu'en hockey tout est possible. Attention, Vespaelainen là qui prend un bon lancer sur Kemener avec la présence de Bouchbacher devant le portier canet.
Allez, une énième mise au jeu dans la zone défensive des Drakkar. Assez dur, c'est dur pour ces Drakkar qui avaient né la partie, on le rappelle, 2-0 en première période, qui ont vu les Remparts de Tours revenir. Hop, voilà, une pénalité appelée sur Prosvik. On va peut-être se donner des chances, 4 contre 4. Je vais vérifier le chronomètre d'où je suis. 54 secondes à faire et les deux équipes vont quasiment se retrouver à 4 contre 4 dans 20 secondes. Donc peut-être une petite chance pour les Drakkar. Allez, peut-être là la petite chance, la mise au jeu sur une bonne mise au jeu, un bon lancer, une présence devant la cage et puis essayer de tromper l'excellent gardien tourangeau Blazek. Allez, on voit Ménard qui place ses joueurs peut-être avec Colotti et Serkovnik là. Peut-être une petite combinaison si André Ménard arrive à gagner la mise au jeu. Le palais qui est gagné pour Colotti. Hein, on remet en fond de zone. Hein, on rend le palais au tourangeau, c'est dommage. Et les secondes qui vont s'égrener tranquillement. Voilà, on prend son temps côté tourangeau. On fait tourner le chronomètre. On donne le palais à Peter Burgo. Avec toute son expérience, hein, qui va garder le palais ici en fond de zone. Voilà, il tourne sur lui-même, il revient. Attention à Makela! Oh, shoot haut de Makela. Allez, on va sortir le gardien côté Canet. On a vu Kemener qui quitte sa cage avec Aurard peut-être. Les tourangeaux qui vont s'emparer du palais, ils vont peut-être essayer de shooter cage vide, non? Il reste derrière. Attention, les Canets au pressing. La cage qui est désertée. Et on manque le cadre par Torres. Allez, peut-être avec la vitesse d'André Ménard, une dernière chance. On y va avec Alvarez qui envoie le palais en fond de zone pour Lou Benoît. C'est trop tard et victoire. Beau travail de l'équipe Tourangelle, hein, faut le souligner. Qui repartent de Caen-la-Mer avec les 3 points. Et une victoire 4-3 de l'équipe Tourangelle qui mérite leur victoire. Hein. Faut avouer, ils ont fait ce qu'il fallait. Hein. Ils se sont fait... surprendre en première période et je pense que le coach Julien Guimard a repris ses troupes à la pause et ce qui a permis un gros travail de l'équipe de Tours et ils viennent chercher une victoire importante puisqu'ils vont prendre très certainement la tête du classement. Mais bonne partie, vraiment une bonne partie de l'équipe Tourangelle hein, et qui mérite ses 3 points. Dommage pour les Drakkar qui était revenu à 4 buts à 3. Alors qu'on va élire le meilleur joueur de chaque équipe, hein, malgré l'absence du public ici à la patinoire de Caen-la-Mer. On remet quand même un trophée au meilleur joueur de chaque équipe. Voilà, Alexis Makela élu homme du match côté Tourangeau, le défenseur qui se voit remettre le trophée, une petite bouteille par le manager Brice Chauvel, meilleur joueur du match côté Tourangeau. On va regarder côté Canet. Et Jaroslav Prosvik, hein, auteur d'une bonne rencontre, qui se retrouve remettre également une petite bouteille pour sa performance du soir. Alexis Makela et Jaroslav Prosvik, les deux joueurs du match ce soir. Et puis les deux équipes hein, qui vont juste se saluer en tapant leur crosse, puisque dû au protocole sanitaire, il n'y a plus de serrage de main. Alors on va essayer d'avoir quelques réactions après cette rencontre. Restez avec nous, on va essayer d'intercepter un ou deux joueurs ou éventuellement les coachs. Ah, les joueurs hein, qui sont contents aussi de se retrouver, on peut le voir à l'image. On peut le voir à l'image. Allez, on va se mettre en place. Allez, on va monter sur la classe.
avec l'homme du match côté Drakkar, Jaroslav Prozvik, qui a encore mis quelques points de plus à ses 300 points, mais ça n'aura pas suffi pour venir à bout d'une très bonne équipe des Remparts de Tours. Vous avez mené 2-0 en début de rencontre, et puis ils ont bien travaillé, ils sont bien revenus, ils se sont appuyés sur un très bon gardien également. Votre analyse, Jaroslav? Oui, c'est une très belle équipe en face de nous qui patine 60 minutes du match, donc c'était compliqué, mais quand même, on a très très bon premier tiers, on a mené 2-0, donc c'était vraiment bien. Après, on a fait 2-3 erreurs qui nous coûtent vraiment cher, donc ça, il faut travailler. Pour la suite, il faut travailler pour enlever cette petite erreur, parce que si on veut gagner contre l'équipe Contour, il faut... Notamment les unités spéciales, hein, on l'a vu ce soir, hein, vous avez réussi à ouvrir le score sur une situation de power play. Jonathan Jani l'a même doublé en fin de match, son compteur personnel sur une autre situation de power play. Mais on a vu aussi le défaut, c'est-à-dire qu'en power play, on a pris deux buts qui ont été fatales pour l'issue de la rencontre. Ouais, ça c'est notre problème toute la saison. Donc ça, il faut encore travailler pendant une semaine. Et j'espère que le prochain match, ça sera mieux, parce que vous voyez... On a fait mal en pipi, on a fait très mal et nous marquait double, donc ça nous coûte un peu cher. C'est vrai que, alors c'est peut-être le manque de compétition, parce que c'est vrai que vous vous entraînez depuis 2-3 mois. Alors je suppose que les situations de supériorité numérique, vous avez dû les travailler pendant ce temps de latence, on va dire, ce temps d'attente. Mais c'est vrai que il n'y a rien d'autre que la compétition pour performer. Peut-être que ça va revenir avec les matchs qui vont s'enchaîner maintenant. Bah ouais, j'espère que ça sera comme ça. Mais comme je dis chaque fois, il faut chaque fois travailler plus. Et prochain match, on va jouer contre qui ? Contre Cholet. Donc là, j'espère, je suis sûr que ça sera mieux là-bas. Donc, ouais, très bien. Et un petit mot côté personnel. Donc vous avez même dépassé ce soir les 300 points en Division 1. On va dire que, petit objectif personnel, je l'évoquais pendant le match, les 500 points en carrière, on y pense? 500 points, il faut jouer peut-être encore 10 ans pour ça. Donc c'est un peu compliqué. Mais non, mais c'est une grosse satisfaction de moi dans ma petite carrière. Malheureusement, ce n'est pas une grosse carrière, mais quand même, je suis content de faire 300 points et j'espère que ça sera encore continu. Merci de ta sympathie, Jaroslav, et on espère vous voir victorieux sur la prochaine rencontre des Drakkar. Impatient de vous retrouver à Caen-la-Mer et j'espère à l'antenne sur YouTube. On va en profiter avec toi, Jaroslav, de saluer tous nos partenaires qui nous soutiennent. Allez. Voilà, un petit signe pour tous les partenaires et tous les spectateurs, le public qui aimerait être présent. Allez. À très bientôt, je pense. Un petit message pour eux. Et je vous promets, au prochain match, on va gagner. T'inquiète. Merci, Jaroslav. Bonne soirée. Voilà, on m'a... Super. Julien Guimard, s'il veut bien venir me rejoindre, le coach des Remparts de Tours, qui doit être satisfait de cette victoire ici ce soir à Caen-la-Mer. Une belle victoire, une belle équipe de Tours, on le disait également. Et ça fait surprendre, vous êtes fait surprendre, première période. Je suppose qu'on a dû resserrer la vis entre la période 1 et 2. Et puis, on a mis plus d'envie, plus d'allant, des palets plus précis sur Ronan Kemener. On a travaillé les rebonds. On est revenu dans la partie comme ça et puis on a puni Caen sur une situation de power play avec deux buts coup sur coup. Scénario parfait pour vous, j'allais dire. Oui, parfait, je sais pas, parce que effectivement le match était loin d'être parfait. Une mauvaise entame avec, effectivement, on prend une première pénalité très loin de notre cage et on se fait punir immédiatement. Caen prend les devants, on fait une erreur individuelle avec une sortie de notre gardien qui est un peu hasardeuse. Voilà, Caen aussi marque sur... Voilà, on savait que ça allait être comme ça, mais effectivement, on s'est fait surprendre. Caen a bien joué les coups en première période. Effectivement, entre la première et la deuxième, c'est sûr qu'il a fallu un peu brasser tout ce monde et remettre les pendules à l'heure. C'est ce qu'on a fait. On est revenu avec nos forces en deuxième, avec beaucoup d'intensité. Effectivement, on a mis beaucoup de palets à la cage. On a été sur les rebonds. On a été dans les zones où ça fait mal. Donc, on a pu revenir dans le match de deux. Et après, on savait que ça serait effectivement une partie d'échec.
Et c'est tombé de notre côté, mais franchement, je l'avais dit avant le match et je ne suis pas du tout surpris. Voilà, quand une excellente défensive travaille très fort, profite des erreurs de l'adversaire. Voilà, aujourd'hui, on a peut-être en troisième période, c'est peut-être nous qui avons profité des erreurs de Caen sur effectivement deux buts alors qu'ils sont à eux à 5 contre 4. Nous, on est à 4, deux contre. Et voilà, on a peut-être effectivement joué sur ce que Caen voulait faire de nous, c'est-à-dire que profiter de nos erreurs. C'est nous qui avons réussi ce soir à le faire. Mais bon, je pense qu'il faut saluer les deux équipes. J'ai une saison qui est compliquée, mais voilà, chaque moment on les savoure. C'est un peu particulier, on est au deuxième match. Après trois mois, tout est un peu... On voit bien, il y a plein de choses, des pénalités. De notre côté, par exemple, on prend encore beaucoup de pénalités parce que bah, des petits changements, des petites choses qui ne sont pas justes encore. On manque de discipline, on manque de justesse dans ce qu'on fait, mais j'apprécie le caractère de l'équipe, j'apprécie l'attitude des joueurs. Parce que effectivement, c'est une saison qui est loin d'être évidente. Mais mon groupe travaille fort et très uni. Et c'est vraiment un plaisir d'être avec eux sur le banc, même dans la difficulté, comme on l'a été mené 2-0 aujourd'hui. Ah, ça fait plaisir, ces mots d'un coach envers son équipe. Maintenant, on va continuer. Peut-être s'adresser, profiter, on est en manque de public, s'adresser au public Tourangeau qui nous regarde, aux partenaires Tourangeau qui peuvent nous regarder. On a donné un petit mot avec Jaroslav Prozvic hein, pour les partenaires et le public. Peut-être, Julien, un petit mot pour ces gens qui suivent de loin, on va dire, ce championnat. Non, mais je pense que le mot il va à tous les amoureux du hockey. Nous, on a eu la chance tout à l'heure, quand on est parti, il y avait, je pense, une bonne entre 30 et 50 supporters qui nous attendaient devant la patinoire. Voilà, on a gardé les distanciations sociales, on a respecté, mais c'est vrai que ça a fait chaud au cœur de les voir devant notre patinoire au moment de partir. Ça nous a donné de l'énergie et effectivement de l'envie de bien faire. Voilà, après, c'est sûr que tous les amoureux du hockey, c'est un peu embêtant, mais je pense que tous les clubs travaillent comme vous le faites pour la diffusion des matchs, etc. Je pense que chacun fait l'effort, il faut serrer les coudes, c'est ce qu'on fait en ce moment. Voilà, je pense que tous les clubs travaillent dans ce sens et il faut saluer le travail des dirigeants, il faut saluer le travail qui est fait dans la globalité pour les amoureux du hockey. C'est peut-être un moment difficile à passer, mais je suis sûr que voilà, le hockey a cette capacité de rester uni dans les moments difficiles. Et voilà, je pense que ce soit nous, Caen ou même d'autres, je pense que toutes les équipes aujourd'hui se serrent les coudes ensemble. Je pense par exemple, moi je sais qu'avec les coachs, on communique beaucoup, on échange dans cette situation et dans cette pandémie. Voilà, je suis sûr que ça va nous sortir, on va sortir grandi quand ça va s'arrêter. Maintenant, on est dedans, donc on travaille avec ce qui nous est... Voilà, mais il faut saluer effectivement tous les gens qui sont devant leur télé, tous les gens qui nous soutiennent, soit par message, soit les partenaires institutionnels, etc. C'est sûr que voilà, même si on ne peut pas se voir, ben on les remercie du fond du cœur, parce que nous, ça nous permet de continuer notre métier, qui est aussi un métier passion. Et voilà, sans ces gens-là, on ne serait pas là. Donc merci à tout le monde, aux familles aussi des joueurs, parce que ce n'est pas simple non plus. Voilà, toutes les familles, aux jeunes joueurs aussi, qui ne peuvent pas toucher la glace en ce moment. Je sais que c'est très compliqué hein, pour le hockey français en général. Voilà, il y a plein de joueurs aujourd'hui qui sont sur le carreau. Et voilà, en tout cas, moi, ça m'embête beaucoup qu'il y ait pas, voilà, qu'on ne puisse pas tous jouer au hockey à n'importe quel niveau, n'importe quel âge. Mais voilà, nous, en tout cas, on essaie de donner du cœur, de se battre, mouiller le maillot, justement, en disant, ben, eux, ils n'ont pas la chance. Nous, on a la chance, profitons chaque jour. Voilà, moi, c'est ce que je dis souvent à mes joueurs. Et en tout cas, je tiens à saluer tous les amoureux du hockey. Merci Julien pour cette belle analyse et félicitations pour votre victoire. Bon retour à Tours et vous allez pouvoir saluer vos supporters qui sont venus vous supporter avant le départ. Merci Julien, merci beaucoup. Voilà, on va se quitter sur ces belles paroles de Julien Guimard et la victoire Tourangelle ici à Caen-la-Mer. 4 buts à 3, on le rappelle. Donc Tours qui, on regardera, hein, vous pouvez regarder sur les sites internet de la fédération le classement, mais Tours qui va très certainement prendre les devants de cette poule nord-ouest de la division 1. On espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie et on espère vous revoir très vite dans nos patinoires, mais je pense dans un premier temps derrière vos écrans. On vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée. Merci, au revoir.